parler de celui-là qui délivre ton vie, là, qui libère son père. Nous sommes encore aujourd'hui. Il prie hier sur nous. Je peux te parler de celui-là qui t'a relevé de toutes les maladies que tu as déjà rencontrées dans ta vie. Il se tente sur ton vie, là, où tu as comme à la fiancée. Si nous sommes encore aujourd'hui. Il prie hier sur nous. Je peux te parler de celui-là qui a fait que tu échappes à plusieurs accidents. Il se tente sur ton vie, là, où tu as échappé à plusieurs accidents. Si nous sommes encore aujourd'hui, il prie hier sur nous. Je peux te parler de celui-là qui te permet de manger tous les jours. Il se tente sur ton vie, là, permission to eat every day. Si nous sommes encore aujourd'hui, il prie hier sur nous. Je peux te parler de celui-là qui prend soin de toi, mon frère. Il se tente sur ton vie, là, et taking care of you. Si nous sommes encore aujourd'hui, il prie hier sur nous. Je peux te parler de celui-là qui te permet de travailler, mon frère. Il se tente sur ton vie, là, permission to work. Si nous sommes encore aujourd'hui, il prie hier sur nous. Je peux te parler de celui-là qui te donne la santé. Il se tente sur ton vie, là, qui est sur vous. Si nous sommes encore aujourd'hui, il prie hier sur nous. Je peux te parler de celui-là qui te donne le souffle de vie, mon frère. Il se tente sur ton vie, là, qui est sur le bread of life. Je te le tiens en vérité, en vérité. Very liberally, salut. Je te le tiens en vérité, en vérité. Very liberally, salut. Je compte parmi les vivants, je suis. Et tu as pas bien avant de l'aimer aujourd'hui. Tu es important présentement. Et tu as pas aujourd'hui. Tu te sens bien actuellement. Et tu as healthy aujourd'hui. Si tu es en santé. Et tu as good health aujourd'hui. Ton business tout le bien. Et tu as business is going on fine. Manger tout le bien. Et tu as business is going on fine. Tu viens manger tous les jours. Et tu as able to eat every day. Ce n'est ni pas ta force ni pas ta puissance. It is not by your power, it is not by your own strength. Mais c'est pas la grâce de l'Éternel. It is by the grace of God. C'est pas la grâce de Jésus-Christ. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. When you leave your house every day, tu rentres en paix, and you come back in peace, tu travailles sans problème, you walk without a problem, tu rentres avec ton pain quotidien, you come back with your daily bread. Ce n'est pas ta force, ni pas ta puissance. It is not by your power, it's not by your force. Mais c'est pas la grâce de Jésus Christ. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. C'est pas la grâce de Jésus Christ. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. Je te le tiens véritable, véritable. Very liberally, tell you. Je te le tiens véritable, véritable. Very liberally, tell you. Tes enfants sont bien portables. If your children are fine. Si tes enfants sont en santé. If your children are in good health. Si ton mari se porte bien. If your husband is in good health. Si ta femme se porte bien. If your wife is in good health. C'est pas parce que tu prends soin d'elle. It is not because you are able to take care of them. Si ton mari se porte bien. If your husband is fine. C'est pas parce que tu t'occupes trop de lui. It is not because you too much take care of him. Si tes enfants se portent bien. If your children are fine. C'est pas parce que tu les nourris trop. It is not because you feed them so much. C'est parce que la grâce de l'Éternel est dans leur vie. It is because the grace of the Almighty is upon your life. Jésus-Christ est dans leur vie. It is because Jesus Christ is in your life. Parce que Jésus-Christ les accorde sa grâce. It is because Jesus Christ has given them grace. Je te le tiens véritablement. Very liberally, je te le tiens véritablement. Very liberally, tell you. Since you have started your business, since you have started your business, tu n'as jamais eu de pertes énormes. You have never lost. Au point de fermer ton comptoir. Until you are able to lock your business. Pas parce que tu fais trop attention. It is not because you are too much careful. Pas parce que tu es trop intelligent. It is not because you are too intelligent. Pas parce que tu maîtrises le marché. It is not because you are too experienced. Je te le tiens véritable, véritable. Je te le tiens véritable. Je te le tiens véritable. Je te le tiens véritable. Si tu es bien portant présent. If you are fine today. C'est pas la grâce de Jésus. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. Si tu es en santé, mon frère. If you are in good health. C'est pas la grâce de Jésus. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. Si tu es en santé, mon frère, ma soeur. If you are fine. C'est pas la grâce de Jésus. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. Si tu es en business à commencer. Since your business started. Ça tourne à merveille. It is selling fine. Ce n'est pas parce que tu es trop bon. It is not because you are too good. Parce que tu es trop fort. It is not because you are too strong. Pas parce que tu es trop intelligent. It is not because you are too intelligent. Parce que la grâce de Jésus Christ est dans ta vie. It is the grace of the Lord Jesus Christ. Parce que la grâce de Jésus Christ est dans ta vie. Because the grace of Jesus Christ. Je te le tiens véritable, véritable. Very liberally. Depuis que tu as acheté ta moto. Since you bought your bike. On ne t'a jamais agressé. They have never arrested you. On ne t'a jamais séquestré. They have never stolen from you. Pas parce que tu es trop fort, mon frère. It is not because you are too powerful. Parce que tu fais très attention. It is not because you are too careful. Parce que la grâce de l'Éternel est dans ta vie. It is the grace of the Lord upon your life. Depuis que tu as acheté ta moto, mon frère. Since you
on your bike. Tu n'as jamais fait d'accident grave. You have never made a big accident. Tant que personne n'a même pas encore fait d'accident. Some people have never made an accident. Pas parce que tu maîtrises trop la moto. It is not because you are too experienced. Pas parce que tu connais la moto. It is not because you know bike. Pas parce que tu es un bon chauffeur. It is not because you are a good driver. C'est parce que la grâce de l'Éternel est dans ta vie. It is because the grace of the Lord is upon your life. The grace of the Lord is upon your life. Que le Dieu en vérité vérifie. Marie le Marie vous salue. Que le Dieu en vérité vérifie. Marie le Marie vous salue. La grâce de l'Éternel est dans ta vie. The grace of the Lord is upon your life. Jésus-Christ aime énormément. 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 Et il veut faire quelque chose dans ta vie. And he wants to do something in your life. Il veut encore faire quelque chose dans ta vie. He wants to do something new for your life. Il fait énormément de choses dans ta vie. He's already doing something marvelous for your life. Il va encore faire une autre chose dans ta vie. And he wants to do greater things for your life. Il est prêt à faire cela aujourd'hui. And he's ready to do it for you. Si et seulement tu le permets. If only you will permit it. Que le Dieu véritable vérifie. Very liberally will tell you. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, si nous sommes dans ce monde, if we are in this world, c'est pour un prix, mon frère. It is for a reason. Si tu es vivant aujourd'hui, if you are alive today, c'est pour un prix, ma soeur. It is for a reason. Si c'est plus que tu vis dans ce monde, since you have been living in this world, jusqu'aujourd'hui tu es compté parmi les vivants. Up to today you are counted among the living. Je ne connais pas ton âge, mon frère. We don't know your age. Je ne connais pas ton âge, ma soeur. We don't know your age. Je ne connais pas les dangers que tu as déjà traversés. We don't know the dangers you have escaped. Je ne connais pas les accidents que tu as déjà eu. We don't know the accidents you have escaped. We don't know the sicknesses you have escaped. Si jusqu'à présent tu es vivant. But if up to this moment you are alive. Jusqu'à vivant. Si jusqu'à maintenant tu es vivant. If up to this moment you are alive. Parce que tu as un plan pour ta vie. It's because the Lord has a plan for your life. Parce que tu as un plan pour ta vie. It's because the Lord has a plan for your life. Tu as un plan merveilleux pour ta vie. God has a plan for your life. Qui que tu sois, mon frère. Whosoever you are. Qui que tu sois, ma soeur. Whosoever you are. Si tu es vivant jusqu'à présent. If you are alive up to this moment. Malgré les accidents que tu as déjà eu. Despite the accident. Malgré les maladies que tu as déjà eues. Despite the sicknesses you have had. Jusqu'à présent tu es vivant. If up to this moment you are alive. Jusqu'à présent tu es compté parmi les vivants. If up to this moment you are counted among the living. Parce que la grâce de l'Éternel est dans ta vie. It is because the grace of the Lord is upon your life. La grâce de Dieu est dans ta vie. It is because the grace of God is upon your life. Que le Dieu méritant mérite. Very liberally will tell you. Jusqu'à présent tu es compté parmi les vivants. If up to this moment you are counted among the living. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. It is because God wants to do something marvelous in your life. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. God wants to do something great in your life. Si tu es dans ce monde, ma soeur. If you are in this world. Si tu es dans ce monde, mon frère. If you are in this world. Ce n'est pas le fruit du hasard. It is not by mistake. Ce n'est pas le fruit du hasard. It is not by mistake. Ce n'est pas le fruit du hasard. It is not by mistake. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. It is because God wants to do something in your life. Je t'envoie dans ce monde pour une mission, mon frère. God sent you in this world for a mission. Je t'envoie dans ce monde pour une mission, ma soeur. God sent you in this world for a mission. Je t'envoie dans ce monde pour une mission, ma soeur. God sent you in this world for a mission. Il y a quelque chose que tu es censé faire pour Dieu, mon frère. There is something you need to do for God. Il y a quelque chose que tu es censé faire pour Dieu, there is something you need to do for God. Tu n'es pas censé vivre comme tu veux, mon frère. You are not to live the way you want. Tu n'es pas censé vivre comme tu veux, ma soeur. You are not to live the way you want. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, 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 tell you. Tu n'es pas dans ce monde pour rien. You are not in this world for nothing. Ta présence dans ce monde n'est pas le fruit du hasard. Your presence in this world is not by chance. Personne n'est dans ce monde par hasard. Nobody is in this world by mistake. Et personne n'est dans ce monde pour accompagner les autres. And nobody is in this world to accompany others. Si tu es dans ce monde, c'est pour un but, mon frère. If you are in this world, it's for a purpose. C'est parce que Jésus-Christ a un plan pour ta vie. It's because the Lord Jesus Christ has a plan for your life. Jésus-Christ a un plan pour ta vie. The Lord Jesus Christ has a plan for your life. Jésus-Christ a un plan pour ta vie. The Lord Jesus Christ has a plan for your life. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Le plan parfait de Dieu pour ta vie. The perfect plan for God for your life. Le plan parfait de l'Éternel pour ta vie. The perfect plan of the Almighty for your life. Le plan parfait de Jésus-Christ pour ta vie. The perfect plan of the Almighty for your life. C'est que tu vives éternellement. It's for you to live eternally. C'est que tu vives éternellement. It is for you to live eternally. Le plan de Dieu pour ta vie. The plan of God for your life. C'est que tu vives éternellement. It is for you to live eternally. Dieu veut que tu vives éternellement. God wants you to live eternally. Parce que la vie vaut mieux que tout, mon frère. Because life is better than all. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, 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 tell you. Le plan de Dieu pour ta vie. The plan of God for your life. Et que après ton passage dans ce monde, tu vives éternellement. It's after you leave this world, you should live forever. Dieu veut que tu vives éternellement. God wants you to live everlastingly. Dieu veut que tu vives éternellement. God wants you to live eternally. L'Éternel veut que tu vives éternellement. The Lord wants you to live eternally. Est-ce que tu sais que Dieu veut que tu vives éternellement? Do you know God wants you to live eternally? Est-ce que tu sais que tu peux vivre éternellement? Do you know you can live eternally? Est-ce que tu sais qu'il est possible?
possible que tu vives éternellement. Even it is possible for you to live eternally. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Il est possible que tu vives éternellement. It is possible for you to live eternally. Il est possible que tu vives éternellement. It is possible for you to live eternally. C'est possible pour toi de vivre éternellement. It is possible for you to live eternally. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. C'est possible pour toi de vivre éternellement. It is possible for you to live eternally. Et c'est le plan parfait de Dieu pour ta vie. And it is a perfect plan of God for your life. Le plan parfait de Dieu pour ta vie. It is a perfect plan of God for your life. Le plan parfait de Dieu pour ta vie, c'est que tu vives éternellement. The perfect plan of God for your life is for you to live eternally. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. La vie ne se limite pas dans ce monde. Life is not limited on this world. La vie ne se limite pas dans ce monde. Life is not limited in this world. Mais ton existence est limitée dans ce monde. Your existence is limited in this world. Ton existence est limitée dans ce monde. Your existence is limited in this world. Mais ta vie ne se limite pas dans ce monde. But your life is not limited in this world. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. Tu es un étranger et un passager dans ce monde. You are a passerby and a stranger in this world. La parole de l'Éternel nous dit que nous sommes des étrangers, des passagers dans ce monde. The word of God declares to us we are strangers in this world. Ce qui signifie qu'on va retourner quelque part. That which means that we are going to go back somewhere. Lorsque quelqu'un est étranger quelque part, ça veut dire qu'il appartient à un endroit bien précis. When somebody is a stranger somewhere, it means he belongs to some place. Lorsqu'on dit qu'une personne est étranger quelque part, ça veut dire qu'il appartient à une nationalité. When somebody is a stranger somewhere, it means that he has a sense of belonging somewhere. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Tu sors de quelque part. You are coming from somewhere. Tu sors de quelque part. You are coming from somewhere. Tu sors de quelque part. You are coming from somewhere. Et tu vas retourner là-bas un jour. And you will go back there one day. Tu retourneras là-bas un jour. You will go back one day. Je te le dis en vérité. Verily, verily, we tell you. Un jour viendra, mon frère. A day is coming. Où tes jours vont finir dans ce monde. Where your days are going to finish. Un jour viendra, ma soeur. Where a day is coming. Où ton existence dans ce monde va se limiter. Where your existence is going to be limited. Un jour viendra, mon frère. Où ton day is coming. Où ton temps va finir dans ce monde. Where your time is going to expire. Ton temps est limité dans ce monde. Your time is limited. Ton temps est limité dans ce monde. Your time is limited. Mais ta vie n'est pas limitée dans ce monde. But your life is not limited. Ton existence est limitée dans ce monde. Your existence is limited. Mais ta vie ne se limite pas dans ce monde. But your life is not limited. Tu vas continuer à vivre, mon frère. You will continue living life. Après ton temps dans ce monde. After your time in this world. Tu vas continuer à vivre quelque part. You will continue living somewhere. Tu vas continuer à vivre quelque part. You will continue living somewhere. Tu vas continuer à vivre quelque part. You will continue living somewhere. Lorsque la fin de tes jours va arriver dans ce monde. When the end of your days will come. Tu vas partir, mon frère. You will go. Tu vas partir, ma soeur. You will go. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est sûr que tu le sais comme moi. We are sure that you know. Que tu n'es pas éternel dans ce monde. That you are not eternal in this world. Que tu n'es pas éternel sur la terre. And you are not eternal in this world. Ce qui signifie que tu vas aller quelque part. That which means you will go somewhere. Tu vas aller quelque part, mon frère. You will go somewhere. Parce que tu sors de quelque part. Because you are coming from somewhere. Cependant, mon frère. For the meantime. Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you are going? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you are going? Est-ce que tu sais où tu vas partir? You will know where you are going. Est-ce que tu sais ce qui va même se passer? Do you know what is even going to happen? Quand ton temps va finir. When your time finishes. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Do you know what will happen? Quand ton temps va finir dans ce monde. When your time finishes in this world. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Do you know what will happen to you? Lorsque tu fermeras les yeux. When you close your eyes. Est-ce que tu connais où tu vas partir? Do you know where you will go? Est-ce que tu connais où tu vas partir? Do you know where you will go? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Au fur et à mesure que le temps avance. So, our as time is going by. Mesure que les années avancent. As time is going by. Au fur et à mesure que les mois avancent. As months are going by. Tes jours ne font que reculer. Your days are diminishing. Ton temps dans ce monde est en train de finir. Your time in this world is finishing. Au fur et à mesure que les années avancent. As years are passing by. Ton temps est en train de finir. Your time is finishing. Et lorsque la fin va arriver. And when the end will come. Tu vas partir, mon frère. You will go. Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Personne qui vit dans ce monde. Everyone living in this world. Personne qui vit dans ce monde. Everyone living in this world. Ira quelque part un jour. We go somewhere one day. Ira quelque part un jour. We go somewhere one day. Toute personne qui vit dans ce monde. Everyone living in this world. Ira quelque part un jour. We go somewhere one day. Cependant, chacun doit savoir où il va partir. And everyone needs to know where you will go. Reconnaître où tu vas partir. You need to recognize where you will go. Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Après ton existence dans ce monde. After your existence in this world. Après ton passage dans ce monde. After your passage in this world. Après ton pèlerinage dans ce monde. After your pilgrimage in this world. Est-ce que tu
frère, tu vas partir. Do you know where you will go? Tu iras quelque part, mon frère. You will go somewhere. Tu iras quelque part, ma soeur. You will go somewhere. Et il y a quelque chose, mon frère. There is something, my brother. Il y a quelque chose, ma soeur. There is something, my sister. Que tu ne sais pas peut-être. That you don't know. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. There is something you don't know. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Nous sommes dans ce monde pour faire quelque chose. We are in this world to do something. Nous sommes dans ce monde pour faire quelque chose. We are in this world to do something. Nous sommes dans ce monde pour faire un choix. We are in this world to make a choice. Nous sommes dans ce monde pour faire un choix. We are in this world to make a choice. Et ce choix se fait par notre manière de vivre. And this world is made by the way we live our lives. Ce choix se fait par notre manière de vivre. This world, this our, we are to live the way, make a choice. Nous sommes dans ce monde pour faire un choix, mon frère. We are in this world to make a choice. Et ce choix se fait par notre manière de vivre. And this our choice is by the way we live our lives. Pendant que nous sommes en train de vivre, mon frère. While we are alive. Nous sommes en train de faire un choix. We are making a choice. Pendant que nous sommes en train de vivre, mon frère. While we are in this world. Nous sommes en train de faire un choix. We are making a choice. Nous sommes en train de faire quel choix? We are what choice are we making? Le choix de notre destination finale. The choice for our final destination. Le choix de notre destination finale. The choice for our final destination. Pendant que nous vivons, mon frère. While we are alive. Nous sommes en train de faire un choix. We are making a choice. Le choix de notre destination finale. A choice for our final destination. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Par ta manière de vivre. By your way of life. Tu es en train de choisir ta destination finale. You are choosing your destination. Par ta manière de mener ta vie dans ce monde. By the way you are living in this world. Tu es en train de choisir ta destination finale. You are making a final destination. Par ta manière de te comporter dans ce monde. By the way you behave in this world. Tu es en train de choisir ta destination finale. You are making a final destination. Tu es en train de choisir ta destination finale. You are choosing your final destination. Est-ce que tu sais où tu vas partir, mon frère? Do you know where you will go? Lorsque tu fermeras les yeux. When you close your eyes. Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Il y a deux destinations auxquelles tu feras face. There are two final destinations. Tu feras face à deux destinations, mon frère. Tu feras face à deux destinations finales. You will face two final destinations. Tu feras face à deux destinations finales. You will face two final destinations. Tu feras face à deux destinations finales. You will face two final destinations. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you for truth. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Very little we tell you. Pendant que nous sommes dans ce monde. While we are in this world. Pendant que nous vivons dans ce monde. The time we are living in this world. Il y a un autre monde qui existe, mon frère. There is another world that is existing. Il y a un autre monde qui existe. There is another world that is existing. Qu'on appelle le monde spirituel. That is a spiritual world. Je te le dis en vérité, en vérité. Very little we tell you. Parce que ton temps va finir dans ce monde. When your time finish on this earth. Tu vas aller de l'autre côté. You will go the other way. De l'autre côté là-bas il y a deux destinations. On the other way there are two destinations. De l'autre côté là-bas il y a deux portes, mon frère. On the other side there are two doors. Il y a deux portes, ma soeur. There are two doors. Je te le dis en vérité, en vérité. Very little we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Very little we tell you. Lorsque tu quitteras ce monde. When you leave this world. Tu vas aller quelque part. You will go somewhere. Tu feras face à deux entrées. You will stand before two entrances. Tu feras face à deux portes. You will face two doors. Tu vas entrer quelque part. You will enter somewhere. Tu vas entrer quelque part. You will enter somewhere. Je te le dis en vérité, en vérité. Very little we tell you. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsqu'on parle de l'éternité, on parle d'une réalité. When we talk of eternity, we talk of a reality. L'éternité est une réalité. Eternity is a reality. L'éternité est bel et bien réelle. Eternity is very real. Lorsqu'on parle de l'enfer du paradis, on parle d'une réalité. When we talk of hellfire and heaven, we talk of a reality. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas au courant de cette réalité. Many people are not aware of this reality. Aujourd'hui, nous allons à l'église, mais on ne nous dit pas cette réalité. Today we go to church, but they don't tell us this reality. Beaucoup d'assemblées aujourd'hui ne nous disent pas la vérité. Many assemblies does not tell us this reality. Beaucoup de dénominations aujourd'hui ne révèlent pas la vérité. Many assemblies do not reveal this, mon frère, this reality. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, very tell you. L'éternité est une réalité. Eternity is a reality. L'enfer et le paradis existent, mon frère. Hellfire and hell exist. Là où tu passes avant prier. Where you go to pray. Tu n'as jamais eu à te dire ça, mon frère. They never told you. À partir d'aujourd'hui. From today. Sois au courant de ça. No. It very well. L'enfer et le paradis existent. Hellfire and heaven is real. La manière dont tu vis dans ce monde va déterminer ton sort final. The way you live in this world will determine your final judgment. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, we tell you. La manière dont tu es en train de vivre présentement. The way you are living presently. Va te qualifier soit pour l'enfer, soit pour le paradis. We qualify you either for heaven or for hell. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, we tell you. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu vives éternellement. The plan of God for you is for you to live eternally. L'éternel veut que tu vives éternellement. The Almighty God wants you to live eternally. Le Seigneur veut que tu vives éternellement. The Almighty God wants you to live eternally. Et pour cela, tu dois faire quelque chose. And for that, you need to do something. Il y a quelque chose que tu dois faire, mon frère. There is something you need to do. Pendant que tu es dans ce monde. While you are in this world. Si tu veux vivre éternellement, mon frère. If you want to live eternally. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. You need to accept the Lord Jesus Christ in your life. Crois en Jésus-Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Il te faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. You need to believe in the Lord Jesus Christ to have everlasting life. Si une personne ne croit pas en Jésus-Christ pendant qu'elle est dans ce monde. If you don't believe in the Lord Jesus
disguise why you are in this world. Cette personne va malheureusement périr. That person will perish. Parce que c'est en Jésus Christ qu'on a la vie éternelle. Because only the Lord Jesus Christ has eternal life. La vie éternelle se trouve uniquement en Jésus Christ. Eternal life is found only in the Lord Jesus Christ. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, il te faut croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Il te faut accepter Jésus Christ. You need to accept the Lord Jesus Christ. Il te faut donner ta vie à Jésus Christ. You need to give your life to the Lord Jesus Christ. Pour la vie éternelle. So that you have eternal life. Je te le tiens vérité, vérité. Verily, verily, we tell you. Quel que soit ce que tu peux penser, whatever you may think. Quel que soit ce que tu peux croire, mon frère. Whatever you may think. Il te faut croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Tu dois croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Tu dois croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma sœur. My brothers, my sisters. Je te le tiens vérité, vérité. Verily, verily, we tell you. Actuellement, actually, tout semble simple et normal. Everything is seeming to be very simple and normal. Mais je te dis que tout n'est pas simple. Pendant que tu es vivant, mon frère, while you are alive, tu dois faire attention à ta vie. You need to be careful of your life. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois faire attention à la manière que tu vis. You need to be very careful of the way you are living. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois faire attention à tes choix. You need to be careful of your choices. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois faire attention à tes engagements. You need to be careful of your engagements. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois faire attention à tes préférences. You need to be careful of your choices. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois faire attention aux choses que tu aimes beaucoup. You need to be careful of the things you love so much. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois faire attention à ta vie. You need to be careful of your life. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Dieu veut que tu vives éternellement. God wants you to live eternally. Le Seigneur veut que tu vives éternellement. God wants you to live eternally. Cependant, tu dois croire en Jésus Christ. So you need to believe in the Lord Jesus Christ. Il te faut croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Quelle que soit ta religion, whatever be your religion, quelle que soit ton obédience, whatever be your belief, quelle que soit ta croyance, whatever be your faith, quelle que soit ton ethnie, whatever be your church, il te faut croire en Jésus Christ pour avoir la vie éternelle. You need to believe in the Lord Jesus Christ to have everlasting life. La vie éternelle se trouve uniquement en Jésus Christ. Everlasting life is found in the Lord Jesus Christ. Quel que soit ce que tu penses, mon frère, whatever you may think, quel que soit ce que tu crois, ma soeur, whatever you may think, si tu ne crois pas en Jésus Christ de ton vivant, if you don't believe in the Lord Jesus Christ, si pendant que tu es vivant, while you are alive, tu refuses de croire en Jésus Christ, you refuse to believe in the Lord Jesus Christ, malheureusement tu vas périr, ma soeur, you will perish. Malheureusement tu vas périr, you will perish. Pendant que tu es vivant, ma soeur, while you are alive, pendant que tu es vivant, mon frère, while you are alive, tu dois te forcer à accepter Jésus Christ dans ta vie. You need to force yourself to accept the Lord Jesus Christ. Pendant que tu es vivant, mon frère, while you are alive, tu dois te forcer à accepter la volonté de Dieu dans ta vie. You need to force yourself to accept the will of God. Pendant que tu es vivant, ma soeur, while you are alive, tu dois rechercher la volonté de Dieu. You need to seek for the will of God. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Pendant que tu vis dans ce monde, while you are living in this world, fais attention à ce que tu recherches. You need to choose what you are taking. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, il y a des choses que tu es censé faire. There are things you need to do. Il y a des engagements que tu es censé prendre. There are engagements you need to take. Il y a des choses que tu es censé couvrir. There are things you need to discover. Il y a des choses qu'il te faut trouver. There are things you need to discover. Il y a des choses qu'il te faut rechercher. There are things you need to seek. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, il y a certaines choses que tu dois faire. There are things you need to do. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you have everlasting life. Il y a certaines choses que tu dois faire. There are certain things you need to do. Afin d'être en paix lorsque tu quitteras ce monde. So that you will be in peace when you leave this world. Il y a certaines choses que tu es censé rechercher. There are things you need to seek for. Et les trouver. And see them. Afin d'avoir la paix lorsque tu quitteras ce monde. So that you will have peace when you leave this world. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you for truth. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois rechercher la volonté de Dieu. You need to seek for the will of God. Tu dois rechercher la volonté de Dieu. You need to seek for the will of God. Il te faut rechercher la volonté de Dieu. You need to seek for the will of God. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu dois rechercher la volonté de Dieu. You need to seek for the will of God. Pendant que tu es vivant, mon frère, while you are alive, l'Éternel se laisse trouver pour toi. The Lord allows himself to be found by you. L'Éternel se laisse trouver pendant que tu es en vie. The Lord allows himself to be found by you. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. Il te faut rechercher la volonté de Dieu. You need to seek for the will of God. Il te faut rechercher l'Éternel. You need to seek for the will of God. Tu dois rechercher la volonté de Dieu, mon frère. You need to seek for the will of God. La volonté de Dieu pour toi que tu vives éternellement. The will of God is for you to live everlastingly. Je te le tiens vérité, vérité. Verily, verily, we tell you. Mais pour vivre éternellement, tu dois croire à ça. But to live eternally, you need to believe in the Lord Jesus Christ. Tu dois croire à ça, mon frère. You need to believe
receiving the Lord Jesus Christ. En acceptant Jésus qui est dans ta vie. And accepting the Lord Jesus Christ in your life. En acceptant Jésus qui est dans ta vie. And accepting the Lord Jesus Christ in your life. On parle d'accepter Jésus Christ. When we talk of accepting the Lord Jesus Christ. On parle d'un engagement total à suivre les voies de l'Éternel. We talk of a total engagement of following the Lord. Lorsqu'on dit donne ta vie à Jésus Christ. When we say give your life to the Lord Jesus Christ. Ça signifie que tu dois t'engager à suivre les préceptes et les commandements de l'Éternel. It means you need to take an engagement to follow the laws and the precepts of God. Je te le tiens vérité en vérité. We tell you for the truth. Je te le tiens vérité en vérité. We tell you for the truth. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si tu es dans ce monde. If you are in this world. Tu es censé faire la volonté de Dieu. You need to do the will of God. Tu es censé vivre selon la volonté de Dieu. You need to live according to the will of God. Parce que tu es une créature de Dieu. Because you are a creature of God. Tu es une créature de Dieu. You are a creature of God. Alors tu dois obéir à ton créateur. So you need to obey your creator. Tu dois obéir à celui-là qui te donne la vie. You need to obey He that gives you life. Tu dois obéir à celui-là qui t'a envoyé dans ce monde. You need to obey He that sent you to this world. Tu dois obéir à celui-là qui te permet d'être en santé. You need to obey He that has permitted you to be good. Tu dois obéir à celui-là qui te permet d'être en vie. You need to obey He that has permitted you to be alive. Si tu es habitant de la terre. If you are an inhabitant in this world. Sache que tu as été créé par l'Éternel. Know that you have been created by the Almighty God. Si tu as été créé, c'est pour un but. And if you have been created, it is for a reason. Si l'Éternel t'a créé, c'est pour une mission. If the Almighty God has created you, it is for a reason. L'Éternel ne crée rien pour rien. The Lord does not create anything for nothing. L'Éternel ne crée personne pour rien. The Lord does not create someone for nothing. Alors si Dieu t'a créé, c'est pour quelque chose. So if the Lord has created you, it's for something. Ce que tu dois faire pendant que tu es dans ce monde, c'est de trouver la raison pour laquelle tu as été créé par Dieu. What you need to do is to find the reason for which God created tu you. Tu dois chercher à comprendre et à connaître le pourquoi Dieu t'a créé. You need to see to know why God has created you. Tu dois connaître la raison pour laquelle Dieu t'a créé. You need to know the reason for which God created you. Tu dois connaître la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. You need to know the reason for which God sent you to this world. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans ce monde? Do you know why you are in this world? Est-ce que tu sais ce que tu fais dans ce monde? Do you know what you are doing in this world? Est-ce que tu sais qui tu es même? Do you know who you are? Est-ce que tu sais d'où tu sors? Do you know where you are coming from? Tu sais seulement que tu t'appelles un tel. You know only that you are called Jesus. Tu es né de monsieur tel. You know you are given birth to by somebody. Tu sais seulement que tu es de la famille telle. You know only that you are coming for such a family. Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Do you know who you are really? Est-ce que tu sais d'où tu sors? Do you know where you are coming from? Est-ce que tu sais qui tu es exactement? Do you know who you are exactly? Est-ce que tu connais ce que tu fais dans ce monde? Do you know what you are doing in this world? Est-ce que tu sais pourquoi tu es même dans ce monde? Do you know why you are even in this world? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Toute personne qui vit dans ce monde. Everyone living in this world. Doit chercher à comprendre ces éléments. You need to know why he is in this world. Ta mission principale, mon frère. You need to understand your mission. Et de savoir ce que tu fais dans ce monde. So that you know what you need to do in this world. Ta mission principale, ma soeur. Your principal mission. Et de savoir ce que tu fais dans ce monde. Is to know what you are to do in this world. Ta mission principale, mon frère. Your first mission. Et de savoir pourquoi Dieu t'a créé. Is to know why God created you. Je te le tiens vérité, vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens vérité, vérité. Verily, verily, we tell you. À partir du moment où tu es habitant de la terre. From the moment you are an inhabitant of this earth. Tu es censé obéir au commandement de l'Éternel. You need to obey the commandments of God. Parce que tu as été créé par l'Éternel. Because you were created. Tu as été créé par Dieu. You were created by God. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si tu es envoyé dans ce monde. If God sent you to this world. Pour un temps bien précis. It is for a precise time. Pour un temps bien déterminé. It is for a limited time. À un moment donné, ce temps va s'arrêter. And from now, that time is going to come to an end. Et ton existence va finir dans ce monde. And your existence will come to an end. Mais cependant, for the meantime, ta vie ne va pas se limiter dans ce monde. Your life will not be limited in this world. Ta vie ne va pas s'arrêter dans ce monde. Your life will not end in this world. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally, I tell you. Je te le dis. Verily, verily, we tell you. Verily, verily, we tell you. Verily, verily, we tell you. Une des raisons pour lesquelles Dieu t'a envoyé dans ce monde. One of the reasons for which you were sent to this world. Pour te donner le libre choix de choisir la vie ou la mort. Is to have a free choice to choose life or death. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans sa parole. That is why the word of God states. Que je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. That we take today record before heaven and earth. J'ai mis devant toi la vie et la mort. We have placed before you life and death. La bénédiction et la malédiction. The blessing and the curse. Mais moi je te demande de choisir la vie. May we ask you to choose life. Afin que tu vives, so that you may live. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu es dans ce monde. If you are in this world. C'est uniquement pour faire un choix. It is to make a choice. Et à partir du moment où tu fais ton choix. And from the moment you make that choice. Tu commences exactement à marcher selon ton engagement. You begin to walk according to your engagement. Mais tu as déjà fait ce choix sans le savoir. You have made that choice without knowing. Tu as déjà fait ce choix sans le connaître. You have made that choice without knowing. Tu as déjà fait ce choix par ta manière de vivre. You have made that choice by your way of life.
life. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, est-ce que tu connais le choix que tu as fait? Do you know the choice you have made? Est-ce que tu connais le choix que tu as fait? Do you know the choice you have made? Est-ce que tu connais le choix que tu as fait? Do you know the choice you have made? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsque l'Éternel dit, when the Lord says, j'ai mis devant toi la vie et la mort. I have placed before you life and death. La bénédiction et la malédiction. Blessing and the curse. Ça veut dire deux choses. It means two things. Ça signifie deux choses. It means two things. Ça signifie tout simplement la volonté. It means a will. La volonté de l'ogre et la volonté de Dieu. A choice of one and a choice of God. La volonté du diable et la volonté de Dieu. The choice for God and the choice of the devil. Frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si nous sommes dans ce monde, if we are in this world, c'est pour marcher selon la volonté. It's to walk according to the will. Maintenant, il faut marcher selon la volonté de qui? Now, what, whose will are you going to follow? Tu marches selon la volonté de qui, mon frère? Whose will are you following? Tu marches selon la volonté de qui, ma soeur? Whose will are you following? Tu marches selon la volonté de qui, mon frère? Whose will are you walking in? Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, tu marches selon la volonté de qui? Whose will are you walking in? Tu marches selon la volonté de qui? Whose will are you walking in? Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Is your life pleasing before God? Est-ce que tu crains Dieu dans ta vie? Is your life pleasing before God? Est-ce que tu crains Dieu dans ta vie? Do you fear God in your life? Est-ce que tu te soucies de Dieu? Do you even care of God? Est-ce que tu te soucies de la volonté de Dieu? Do you care for the will of God? Est-ce que tu te soucies des préceptes et des commandements de Dieu? Do you care for the precepts and the commandments of God? Est-ce que tu connais même la volonté de Dieu? Do you even know the will of God? Est-ce que tu connais les préceptes de Dieu? Do you know the precepts of God? Est-ce que tu crois même en Dieu? Do you even believe in God? Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Si tu n'as pas de réponse à ces questions, if you don't have an answer to this question, tu as un problème sérieux. You have a serious problem. Si tu n'as pas de réponse à ces questions, if you are not having a answer, tu as un problème grave. You have a big problem. Sache que tu es en train de marcher uniquement et exactement selon la volonté de Satan. Know that you are walking according to the will of the devil. Si tu n'as pas de réponse à ces questions, if you are not having an answer, sache que ta vie est en train d'obéir au commandement et au précepte de Satan. Know that your life is obedient to the devil. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Et aujourd'hui, Today, Dieu veut que tu changes de camp. God wants you to change your camp. Dieu veut que tu changes de chemin. God wants you to change your way. Parce que la manière dont tu vis présentement n'est pas agréable à Dieu. Because your way of life is not pleasing before God. La manière dont tu vis présentement n'est pas agréable à Dieu. Your way of life is not pleasing before God. Toute personne qui vit comme elle veut dans ce monde ne peut jamais être agréable à Dieu. Everyone living the way one can never be pleasing before God. Toute personne qui vit selon la cour de ce monde ne peut jamais être agréable à Dieu. Everyone that is living according to the course of this world can never be pleasing before God. Toute personne qui se conforme à la cour de ce monde sera un ennemi de Dieu. Anyone that conforms himself to this world cannot be pleasing before God. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberty, very liberty. Le Seigneur nous dit clairement. The Lord tells us clearly. C'est lui qui se fait ami du monde. He that makes himself sera en même temps ennemi de Dieu. He is an enemy to God. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Is your life pleasing before God? Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Is your life pleasing before God? Est-ce que ta manière de vivre est agréable à Dieu? Is your life pleasing before God? Est-ce que tes engagements plaisent à Dieu? Are your engagement pleasing before God? Est-ce que tes choix plaisent à Dieu? Are your choices pleasing before God? Est-ce que les choses que tu recherches dans ce monde plaisent à Dieu? Are the things you are seeking for in this world pleasing before God? Est-ce que tes convictions plaisent à Dieu? Are your convictions pleasing before God? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Est-ce que ton comportement plaît à Dieu? Are your behaviors pleasing before God? Est-ce que ta manière de faire les choses dans ce monde plaît à Dieu? Are your ways of doing things in this world pleasing before God? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si tu vis dans ce monde, if you are living in this world, sans te soucier de Dieu, without being mindful of the will of God, problème très sérieux. You have a serious problem. Tu es en danger. You are in danger. Je te le dis en vérité. Verily, we tell you. Parce que tu n'es pas tombé du ciel. Because you did not fall from heaven. Tu as été créé par quelqu'un. You were created by someone. Et ce quelqu'un, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. And that person is the Almighty God. Et si Dieu t'a créé, and if God created you, c'est pour faire sa volonté. It's to do his will. Mais si tu es dans ce monde, but if you are in this world, si Dieu t'envoie dans ce monde, if God send you to this world, et toi tu viens faire ta propre volonté, and you come here to do your own will, toi tu vis selon ta propre volonté, you live according to your own will. C'est un grand danger, mon frère. It is a big danger. C'est un grand danger, ma soeur. It is a big danger. Je te le tiens véritable, véritable. Verily, verily, we tell you. Si tu reconnais que tu as été créé par l'Éternel, if you know you have been created by God, si tu reconnais que Dieu t'a créé, if you know that God created you, si tu reconnais que tu as été créé par Dieu, if you know that you are created by God, tu es censé marcher selon la volonté de Dieu. You need to walk according to the will of God. Tu es censé faire la volonté de Dieu pendant que tu vis dans ce monde. You need to do the will of God while you are in this world. Mais si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, if you recognize that it is God that created you, mais que tu vis selon ta volonté, and you are living according to your own will, tu reconnais que l'Éternel t'a créé, you recognize that God created you, mais tu préfères vivre selon ta propre volonté, but you choose to live according to your own will, tu ne tiens pas compte de la volonté de Dieu, you are not
mindful of the will of God. Tu es en danger, mon frère. You are in danger. Tu es en danger, ma soeur. You are in danger. Tu es en danger, mon frère. You are in danger. Dieu, en nous envoyant dans ce monde, God sending us to this world, a prévu un chemin sur lequel nous devons marcher. Has destined a way we need to walk. Dieu, en nous envoyant dans ce monde, God sending us to this world, a prévu une route sur laquelle nous devons circuler. Destined a road for us to walk in. Je te le dis en vérité, Verily, verily, we tell you. Est-ce que tu es sur cette route, mon frère? Are you on the way of Christ? Est-ce que tu es sur la route que l'Éternel a tracée pour toi? Are you on the way God made for you? Si c'est Dieu qui t'a créé, if God is the one that created you, alors tu as une route sur laquelle tu dois circuler. Are you on the road that you need to be on the road that God created? Est-ce que tu es en train de circuler sur cette route? Are you walking in that route? Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, c'est le moment de regagner le chemin. It is time for you to regain that way. C'est le moment de revenir à la raison. It is time to come back to your reasoning. C'est le moment de croire en Dieu, mon frère. It is time to believe in God. Depuis les années tu vis, tu ne crois pas en Dieu. For many years you have not been believing in God. Et tu vas me dire comment tu sais que je ne crois pas en Dieu? You are going to ask, how do you know that I am not believing in God? Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, on ne croit pas en Dieu de bouche. We don't believe in God by the mouth. C'est pas les actes qu'on pose qu'on croit en Dieu. It is by our actions that we believe in God. C'est les actes que tu poses. It is the actions qui peuvent prouver que tu crois en Dieu ou pas. That proves whether you believe in God or not. C'est le moment de croire en Dieu, mon frère. It is time to believe in God. C'est le moment de croire en Dieu, ma soeur. It is time to believe in God. Depuis les années, tu vis comme tu veux. For many years you have been living the way you want. Tu fais de ta vie ce que tu veux. You make your life the way you want. Tu montes, tu descends, tu fais ce que tu veux. You go up and down, you do what you want. Tu t'en fous de Dieu. You don't care of God. Tu ne t'inquiètes même pas de Dieu. You don't even, you are not mindful of God. Lorsqu'on parle de Dieu, ça ne te concerne pas. When we talk of God, it does not concern you. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, ça ne te concerne pas. When we talk of the will of God, it does not concern you. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, c'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. Tu as longtemps vécu comme tu voulais. You have for long lived the way you wanted. Tu as longtemps mené ta vie comme tu voulais. You have for long lived the way you wanted. C'est le moment de changer de vie. It is time to change. Aujourd'hui, l'Éternel t'interpelle. Today God is calling for you. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer de vie. Today God is telling you change your way of life. Parce qu'il est celui-là qui connaît ton lendemain. Because he is the one that knows your tomorrow. Dieu est celui-là qui connaît ton lendemain. God is the one that knows your tomorrow. Dieu est celui-là qui connaît ton lendemain. God is he that knows your tomorrow. Alors si t'interpelle aujourd'hui, mon frère, so if he's calling for you today, tu dois faire attention. You need to be careful. Tu dois faire attention. You need to be careful. Aujourd'hui, l'Éternel t'appelle. Today the Lord is calling for you. À changer de vie. To change your life. Depuis que tu vis dans les abominations. Since you have been living in abominations. Depuis que tu vis dans le péché. Since you have been living in sin. Depuis que tu vis dans la fornication. Since you have been living in fornication. Tu vis dans le mensonge. You live in lie selling. Tu vis dans le vol. You live in stealing. Tu vis dans la malhonnêteté. You live in dishonesty. Tu vis dans la masturbation. You live in masturbation. Tu vis dans le désordre. You live in disorder. Tu vis dans la débauche. You live in drunkenness. Ta vie c'est les bars et les boîtes de nuit. Your life is bars and nightclubs. Ta vie c'est les prostituées. Your life is prostitution. Malgré toutes ces abominations. With all of that, those abominations. Depuis que tu as commencé ça. Since you began it. Jusqu'à aujourd'hui. Till today. L'Éternel t'a toujours protégé. The Lord has always protected you. Dieu a toujours veillé sur toi. God has always taken care of you. Malgré que tu es un pécheur. Despite that you are a sinner. Malgré que tu es un pécheur. Despite that you are a sinner. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a protégé. If up to today the Lord has been protecting you. C'est parce qu'il sait que si tu meurs dans ces choses, tu vas périr. It's because he knows if you die in those things, you are going to perish. Et il vient te présenter un plan de sortir aujourd'hui. And he comes to deliver you today. Aujourd'hui, il vient te présenter le salut. Today he has come to give you salvation. Aujourd'hui, il vient t'interpeller à changer de vie. Today he's come to call your attention for you to change your mentality. Aujourd'hui, il vient t'appeler à changer de mentalité. Today he comes to call you for you to change your mentality. Depuis les années, tu vis dans ces abominations. For many years you have been living in abominations. Je ne sais pas, peut-être tu vivais dans ces choses parce que tu croyais que tu étais libre. Maybe you are living in those things because you thought you were a free person. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, je vais te rappeler quelque chose. We are going to remind you one thing. Personne n'est libre dans ce monde. No one is free in this world. Personne n'est libre dans ce monde. No one is free in this world. L'homme n'a jamais été libre, mon frère. Man has never been free. L'homme n'est jamais libre, ma soeur. Man is not free. Si depuis des années, if for many years, tu vis comme tu veux. You are living the way you want. Tu fais de ta vie ce que tu veux. You do what you want. Et rien ne t'arrive. And nothing is happening to you. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, c'est pas parce que tu es trop fort. It is not because you are too strong. C'est pas parce que tu es trop bon. It is not because you are too strong. Parce que tu as pitié de toi. It's because God has mercy on you. C'est parce que tu as pitié de toi. It's because God pities you. La parole de Dieu nous déclare que le salaire du péché c'est la mort. The word of God states that the wages of sin is death. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. En réalité, celui qui vit dans le péché doit mourir. In reality, he that
that lives in sin need to die. Parce que le péché provoque la mort. Because sin provokes death. Mais toi, depuis des années, tu vis dans le péché, tu n'es pas mort. For years you have been living in sin, but you are not dead. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? What happened? Est-ce parce que tu es trop bon? Is it because you are too strong? Est-ce parce que tu es trop juste? Is it because you are too just? Est-ce parce que tu fais trop attention? Is it because you are too careful? Ce n'est pas ça, mon frère. That is not the reason. C'est parce que Dieu t'aime beaucoup. It's because the Lord loves you so much. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup. It is because the Lord loves you so much. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te répandes, mon frère. What he waits from you is for you to repent. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te répandes, mon frère. What he wants from you is for you to repent. Jusqu'à présent, mon frère. Et up to now. Tu es compté parmi les vivants. You are counted among the living. Parce que le Seigneur attend ta repentance. Because the Lord wants your repentance. Le Seigneur attend ta repentance. The Lord is waiting for your repentance. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Lorsqu'une personne vit dans le péché, when someone lives in sin, Satan peut balayer cette personne à n'importe quel moment. Satan can sweep that person at any time. Lorsque tu vis dans le péché, when you live in sin, Satan peut prendre ta vie à n'importe quel moment. Satan can take your life at any time. Les sorciers peuvent détruire ta vie à n'importe quel moment. Witches can destroy your life at any time. Parce que le péché te rend vulnérable et sale devant Dieu. Because sin makes you to be vulnerable and set you before God. Mais t'es plus que tu vis dans le péché. They say you have been living in sin. Aucun sorcier n'est arraché à la vie. No witch has taken away your life. Depuis que tu vis dans le péché. Since you have been living in sin. Aucun sorcier n'a détruit ta vie. No witch has destroyed your life. Depuis que tu vis dans le péché. Since you have been living in sin. La mort ne t'a pas frappé. Death has not taken you. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Est-ce que tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie? Have you realized the love of God? Est-ce que tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie? Have you realized the love of God in your life? Est-ce que tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie? Have you realized the love of God for your life? Tu fais de ton corps ce que tu veux. You make your body what you want. Tu es dans le vagabondage sexuel. You are into sexual immorality. Tu montes, tu descends avec les hommes. You go up and down with women. Malgré toutes ces abominations. With all of the abominations. Tu n'as jamais eu de maladie grave. You have never had sickness. Dieu t'a toujours épargné. The Lord has been sparing you. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'épargne encore. Until today, the Lord is sparing you. L'Éternel te sécurise toujours. The Lord is securing you. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te protège? Do you know why God is protecting you? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu veille sur toi malgré toutes ces abominations? Do you know why God is watching on you? C'est parce qu'il veut que tu vives éternellement. It is because he wants you to live eternally. C'est parce que ton âme est précieuse à ses yeux. It's because your life is precious in his eyes. Je te retiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu n'as même pas été de combien de fois les sorciers ont voulu te tuer. You don't even know how many witches have tried to kill you. Tu n'as même pas été. Tu n'as même pas été. You don't even know. De combien de fois les sorciers ont voulu arracher ta vie. How many times witches have tried to take away your life. Je te retiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Beaucoup de personnes vivent dans ce monde. Many people are living in this world. Elles pensent que tout est simple. They think that everything is simple. Beaucoup de personnes vivent dans ce monde. Many people are living in this world. Ils pensent que s'ils dorment la nuit et se réveillent le matin, c'est parce qu'ils sont trop bons. They think that if they sleep and get up in the morning, it's because they are too strong. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsque tu te couches pour dormir. When you sleep to tu n'as même pas idée de combien de mauvais esprits veulent détruire ta vie. You don't know how many spirits will want to destroy your life. Tu n'as même pas idée de combien de mauvais esprits viennent pour détruire ta vie. You don't know how many evil spirits want to destroy your life. Et malgré que tu t'en fous de la volonté de Dieu. But with all of that, malgré que tu t'en fous de Dieu pendant que tu vis, despite that you don't care of the will of God, tu ne veux même pas connaître. You don't even want to know. Malgré toutes ces choses, despite all of those things, Dieu veille sur toi. God is watching on you. Dieu te protège. God is protecting you. Tu te lèves le matin. You get up in the morning. Tu fais ce que tu veux. You do what you want. Tu mènes ta vie comme tu veux. You live the way you want. Tu vis dans des abominations. You live in abomination. Malgré ces choses, with all of those things, Dieu veille sur toi. God is watching on you. Dieu te protège. God is protecting you. Frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu fait ça? Do you know why God is doing that? C'est parce que ton âme est précieuse à ses yeux. It is because your soul is precious in the sight of God. Ton âme est précieuse à ses yeux. Your soul is precious in the sight of God. Ton âme est précieuse à ses yeux. Your soul is precious in the sight of God. Ce qu'il attend de toi, mon frère. And what is waiting for you? C'est que tu te repentes et que tu reconnaisses qu'il règne dans ta vie. It is for you to repent and recognize that he's reigning in your life. Ce que tu attends de toi, ma soeur. What God is waiting for you? C'est que tu te repentes et que tu reconnaisses son amour dans ta vie. It is for you to repent and recognize his love for your life. Ce que l'Éternel attend de toi, mon frère. What the Almighty God is waiting for you? Que tu te repentes et que tu reconnaisses sa volonté dans ta vie. It is for you to repent and recognize his love for your life. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Today, my brothers and sisters. L'Éternel veut que tu changes de mentalité. The Lord wants you to change your mentality. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Today, my brothers and sisters. L'Éternel veut que tu changes de vie. The Lord wants you to change your life. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Today, my brothers and sisters. L'Éternel veut que tu changes de vie. The Lord wants you to change your life. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you.
tell you. Lorsque l'Éternel veille sur quelqu'un. Even if. Lorsque l'Éternel veille sur quelqu'un. When the Lord is watching on someone. Malgré que cette personne vient dans le péché. Despite that person is living a sinful life. À un moment donné, Dieu va laisser la personne. At a certain time, God will abandon that person. Parce que pendant que l'Éternel veille sur toi. Because while the Lord is watching on you. Il t'interpelle. He is calling for you. Il t'appelle à changer de vie. He is calling for you to change your way of life. Il t'appelle à changer d'habitude. He is calling for you to change your character. Il t'appelle à changer de mentalité. He is calling for you to change your mentality. Il t'appelle à abandonner ta mauvaise vie. He is calling for you to change your evil life. Il t'appelle à abandonner le péché. He calls you to abandon your sin. Mais si tu persistes à continuer dans cette vie. But if you continue in that life. Si tu persistes à continuer dans tes abominations. If you continue in those abominations. À un moment donné, l'Éternel ne va plus t'interpeller. At a certain time, the Lord will not come for you again. À un moment donné, Dieu ne va plus t'interpeller. At a certain time, God will not come for you again. Dieu ne va plus te demander de changer de vie. God will not ask you to change again. Je te le dis en vérité. Very liberally we tell you. Je te le dis en vérité. Very liberally we tell you. Je te le dis en vérité. Very liberally we tell you. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. Est arrivé où l'homme doit prendre conscience de son existence dans ce monde. The time has come for man to be conscious of his existence on earth. Le temps est arrivé où tu dois prendre conscience de qui tu es. The time has come for you to be conscious of who you are. Tu es une personne très précieuse devant Dieu. You are a precious person in the eyes of God. Et tu dois prendre conscience de ça. And you need to be conscious of that. Dieu veut que tu prennes conscience de ça. God wants you to be conscious of that. Que tu es précieux à ses yeux. That you are precious in his eyes. Non pas ton corps mais ton âme. Not your flesh but your soul. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu es précieux de Dieu, mon frère. You are precious in the sight of God. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu changes de vie. That is the reason for which God wants you to change your way of life. Et que tu commences à l'obéir. So that you begin to obey him. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. C'est le moment d'obéir à l'Éternel. It is time to believe in the Lord Jesus Christ. C'est le moment d'obéir à Dieu. It is time to obey God. C'est le moment de commencer à obéir à Dieu. It is time to start obeying God. C'est maintenant que tu dois changer de vie, mon frère. This is the time for you to change your way of life. Le temps est arrivé où tu dois changer de vie. Time has come for you to change your way of life. Tu as longtemps vécu dans la masturbation, mon frère. You are so long stayed in masturbation. C'est le moment d'arrêter cette abomination. It is time to stop that abomination. Tu as longtemps vécu dans le vol, mon frère. You are so long stayed in armed robbery. Tu as longtemps vécu dans le banditisme. You are so long still live in armed robbery. Tu as longtemps vécu dans le braquage. You are so long stupid people. Tu as longtemps vécu dans la drogue. You are so long stayed in drugs. Le temps pour toi est arrivé de te repentir. Time has come for you to repent. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Et Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui, mon frère. And the Lord is ready to deliver you. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir, mon frère. It is today you need to repent. Depuis des années, tu vis dans le fond. For many years you have been living in armed robbery. Depuis des années, tu soutiens les porte-monnaie. For many years you have been stealing from people. Tu soutiens les téléphones. You take people's phones. Tu vis dans l'abomination. You live in abomination. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Aujourd'hui là. Today. Jésus-Christ veut que tu te repentes. Jesus Christ wants you to repent. Jésus-Christ est prêt à te donner une nouvelle vie, mon frère. Jesus Christ wants to give you a new life. Toi qui as longtemps vécu dans ces choses. For you that have lived so long in those things. Aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Parce que si tu continues dans le braquage, le vol. If you continue stealing. Si tu continues à soutirer les porte-monnaie et les téléphones. If you continue stealing people's purse and telephones. Ça va mal finir pour toi, mon frère. You will end up very badly. Ça va mal finir pour toi, mon frère. Aujourd'hui que tu dois te repentir. This is today you need to repent. Aujourd'hui que tu dois abandonner cette mauvaise vie. You need to abandon that evil life. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally we tell you. Toi également, mon frère. For you, my brother. Qui fait le changer. That is to an exchange agent. On se comprend, mon frère. You understand. Pour toi qui vis dans cette abomination. You have been in abomination. Tu dois changer de mentalité aujourd'hui. You need to change your mentality. Aujourd'hui que tu dois changer de mentalité. It is today you need to change your mentality. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally we tell you. Pour toi qui vis dans le changer. You that's living in changing change. Tu fais le changer de vêtements. You change people's dresses. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Aujourd'hui que Jésus-Christ veut te délivrer. It is today God wants to deliver you. Aujourd'hui Jésus-Christ veut te délivrer. Today God wants to deliver you. Tu dois abandonner cette mauvaise pratique aujourd'hui. You need to abandon that evil practice today. C'est pourquoi que Jésus-Christ nous envoie dans ce marché. You are the reason for which the Lord sent us. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally we tell you. Toi également qui fais le commerce dans ce marché. You that is doing commerce in this market. Tu fais le commerce avec les Écosses. You that is making avec des choses abominables que tu as pris chez les marabouts. The abominable things you take from the native doctors. Tu passes chez les marabouts, tu ramasses les choses. You go to native doctors and collect things. Tu ramasses les poudres et les liquides. You take the powder and liquids. Pour venir envoûter les marchandises des autres. To come and charm people. Afin que seulement ta marchandise passe. So that only your own business is going to pass. Ma soeur. My brothers. C'est pour toi que Jésus qui nous envoie. It is for you the Lord Jesus Christ said us. Tu dois te repentir. It is today you need to repent. Le temps de ta repentance est arrivé. The time for your repentance. Aujourd'hui que tu dois abandonner cette mauvaise pratique. It is today you need to abandon that evil practice. Parce qu'en allant chez
fait ces choses, c'est le marabout, tu as vendu ton âme. Because by going to take those things from the native doctors, you have selling your soul. Aujourd'hui, Jésus qui va délivrer ton âme. And today the Lord has to deliver your soul. Parce que tes jours sont comptés. Because your days are numbered. Ce que tu ne sais pas, c'est que en allant chez le marabout, tu es parti vers la soustraction de tes années de vie. Because you don't know that by going to the native doctors, you have reduced your number of years of life. Et ton temps est compté. And your time is counted. À cause des choses que tu es parti ramasser chez le marabout. Because of what you go to pick from the native doctors. Aujourd'hui que tu dois te repentir, mon frère. It is today you need to repent. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. C'est pourquoi que Jésus qui nous envoie dans ce marché. You are the reason the Lord Jesus Christ has sent us to this market. Tu peux mourir même demain. Because you can die even tomorrow. Même après demain. Even after tomorrow. Tu peux mourir à n'importe quel moment. You can die at any time. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Et si tu meurs sans te repentir. If you die without repentance. Sans abandonner cette mauvaise pratique. Without abandoning that evil practice. Tu vas malheureusement passer ton éternité en enfer. You will spend your eternity in hell fire. Tu seras torturé en enfer. You will be tortured in hell fire. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Depuis les années, tu fais le commerce avec les remèdes. For many years you have been doing market business with charms. Lorsque tu arrives à la boutique le matin, tu fais les incantations. When you come to your business place, you make incantations. Lorsque tu arrives dans ton comptoir le matin, tu fais les imprécations. When you reach your table, you make incantations and enchantments. Tu fais la sorcellerie, tu asperges les choses. You make witchcraft and you are pouring things everywhere. Ma soeur, my brothers, je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu te reconnais dans cette affaire, if you are recognized in this, aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Aujourd'hui que tu dois te repentir. It is today you need to repent. Parce que ton temps de repentance est arrivé. Because your time for repentance has come. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent, my tu sister. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent, my sister. Tu dois te repentir aujourd'hui, mon frère. You need to repent today. Parce que Jésus Christ va te sauver aujourd'hui. Because Jesus Christ will save you today. Jésus Christ va te sauver aujourd'hui. Jesus Christ will save you today. Jésus Christ va te sauver aujourd'hui. Jesus Christ will save you today. Je te le tiens véritablement. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens véritablement. Verily, verily, we tell you. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. C'est pourquoi que Jésus qui nous envoie aujourd'hui. You are the reason for which Jesus Christ sent us today. C'est pourquoi que Jésus qui nous envoie. You are the reason for which Jesus Christ sent us. Je te le tiens véritablement. Verily, verily, we tell you. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Jésus Christ va sauver ton âme. Jesus Christ will save your soul. Jésus Christ va sauver ton âme. Jesus Christ will save your soul. Également, mon frère. You, my brother. Qui fait la moto dans ce marché? That is making bag in his market. Avec les écorces dans le prison. With charms in your prison. Avec les écorces dans la poche. With charms in your pocket. Toi également, tu as besoin de te repentir. You also, you need to repent. Tu dois également te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois également te repentir. You need to repent. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu dois te repentir aujourd'hui, mon frère. You need to repent today. Jésus Christ t'appelle aujourd'hui. Jesus Christ is calling for you. Changer de vie. To change your way of life. Jésus Christ t'appelle aujourd'hui. Jesus Christ is calling for you. Changer de vie. To change your way of life. Jésus Christ t'appelle aujourd'hui. Jesus Christ is calling for you. Changer de vie. To change your life. Tu dois changer de vie. You need to change your life. Jésus Christ t'appelle aujourd'hui. Jesus Christ is calling for you today. Changer de vie. To change your life. Tu dois changer de vie, mon frère. You need to change your life. Tu dois changer de vie, mon frère. You need to change your life. Peuple de l'Éternel. Be blessed, people of God. Soyez bénis, habitants de Mokolo. Be blessed, people of Mokolo. Soyez bénis, vous tous étrangers dans le quartier de Mokolo. Be blessed, people of Mokolo. Ce n'est pas en vain que l'Éternel vous a permis d'être là en cette heure. It is not in vain that the Lord permitted you to be here in this. Car l'Éternel n'a rien créé en vain. Because the Lord did not create anything in vain. L'Éternel n'a rien disposé en vain. God did not dispose anything in vain. L'Éternel dit à Serge, tu
doit être à telle place, c'est parce qu'il l'a voulu et c'est pourquoi. If the Lord say at 6 o'clock you will be somewhere because the Lord. Ma soeur, je te dis au nom de Jésus, concentre-toi davantage. That is why we tell you be concentrated and focused. Dispose-toi davantage. Open up. Parce que c'est lorsqu'on se moque de ce qui se passe. Qui est ce qui peut nous délivrer? Because it is if you knock at what can deliver you, you will be condemned. Jésus Christ veut te sauver. Jesus Christ wants to save you. Jésus veut te consoler. Jesus wants to console you. Jésus veut apaiser la douleur de ton cœur. Jesus Christ wants to take away the pain of your heart. Jésus pour toi. Jesus Christ tell you I died for you. Jésus te dit il est temps que tu ouvres ton cœur. Jesus Christ tell you it's time to open your heart to him. Jésus te dit de la même façon tu as respecté ton père dans la chair, respecte-moi comme ton Dieu. The Lord said the same way you respect your father, you need to respect him as your God. Jésus te dit si tu m'honores de ton cœur, moi je vais t'honorer. The Lord says if you honor him from your heart, he's going to honor you. Inclus également même ta manière de vivre. It includes your way of living life. Si tu vis dans l'impudicité, if you are living in immorality, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. You cannot receive anything from God. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu honore celui qui l'honore. Because the word of God states God honor whom he honors. La parole de Dieu nous dit. The word of God tells us. Que si tu es pécheur, l'Éternel ne pourra pas t'exaucer. That if you are a sinner, the Lord will not be able to help you. Donc pendant que tu pries et tu crois que tu es vraiment exaucé, l'Éternel ne t'a pas exaucé comme il veut t'exaucer. If you pray and you think you have received answer, the Lord has not answered you the way he wants to answer you. Si tu mets ta vie en ordre, mon frère, ma soeur, if you put your life in order, tu verras les miracles que l'Éternel va faire pour toi. You will see the miracles occur. Tu verras les combats que l'Éternel va mener en ta faveur. You will see the fight God will fight for your favor. Tu verras la paix en toi. You will see peace in you. Une paix qui est éternelle. Et everlasting and eternal peace. Mon frère, ma soeur, prends conscience. My brothers, my sisters, be cautious. Prends conscience. Be cautious. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Aujourd'hui, vous riez. Today, people will mock. Pourtant, vous ne connaissez pas dans quel pétrin vous vous trouvez. But you don't know the pit you are finding. Mais je vous assure. But we assure you. Que demain. That tomorrow. Quand tu vas quitter ce monde. When you leave this world. Il n'y aura pas moyen pour toi de revenir en arrière. There is no way of turning back. C'est pourquoi répands-toi de tes péchés. That is why you need to repent from your sins. Repends-toi de tes iniquités. Repent from your iniquities. Repends-toi de tes abominations. Repent from your abominations. Jésus veut te délivrer. Jesus Christ wants to deliver you. Jésus veut te sauver. Jesus Christ wants to save you. Jésus a doigté ta vie et il a dit je veux te délivrer. Jesus Christ tells you what to deliver you. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jesus Christ says the way, the truth and the life. Si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui, if you don't accept Jesus today, c'est le tourment qui t'attend. It is torment that is awaiting you. Aujourd'hui quand tu pars, tu dis allez là-bas. When they talk to you today, you say get away. Pourtant c'est ce jour l'Éternel a dit je veux de toi. But today is the day the Lord has appointed for you. Jésus a dit je tends la main pour toi ce jour. The Lord Jesus Christ said he has stretched his hand for you. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Don't look at what is happening around you. Ne croyez pas que ce qui se passe est de la lumière de l'Éternel. Don't think what is happening around you is permitted by the Lord. Parce que les ténèbres ont envahi l'humanité tout entière. Because the Lord is going to destroy all of humanity. Ce qui maintient encore la gloire de Dieu dans ce monde, c'est son esprit. That which is keeping the glory of God in this world is his spirit. Parce qu'il t'aime. Because he loves you. Parce qu'il veut te sauver. Because he wants to save you. Parce qu'il veut te délivrer. Because he wants to deliver you. Parce qu'il veut briser tes chaînes. Because he wants to break the chains. Parce qu'il veut délivrer ton âme de l'enfer. He wants to save your soul from hell fire. Parce qu'il veut te restaurer. Because he wants to restore you. Depuis que l'homme a péché, since man sinned, il a été condamné. He was condemned. Mais Jésus est venu. But the Lord Jesus Christ came. Pour te donner la liberté. To give you liberty. Ne laisse pas que cette liberté passe au pied. Don't allow that liberty to pass you by. Ne foule pas cette liberté à tes pieds, mon frère. Don't trample upon that liberty. Parce que lorsque tu vas laisser cette liberté passer. Because if you allow that liberty to pass. Au moment où tu vas vouloir la liberté. At the time you will want liberty.
c'est le tourment que tu auras. You will receive a torment. Jésus veut entrer dans ton cœur. Jesus Christ wants to enter your heart. Jésus veut que tu passes de ton cœur son trône. Jesus Christ wants you to make your heart his throne. Jésus te demande de sortir du péché. Jesus Christ tell you come out of sin. Renonce au querel. Renounce au chorus. Parce que ça ne glorifie pas l'Éternel. Because it does not glorify God. Renonce à la haine. Renounce envy. Renonce à la nervosité. Reject anger. Renonce à la colère. Renounce anger. Car la colère ne fait pas la volonté de Dieu. Because anger is not of God. Tu veux recevoir l'Éternel. If you want to receive the Lord. Et que tu ne travailles pas ton cœur. And you are not working on your heart. Quand même tu vas t'asseoir dans les assemblées les dimanches. When you go to sit in churches on Sunday. Et que ton cœur est impur. And your heart is impure. Tu es en train de courir dans le sac. You are running in the back. Jésus te demande de venir à lui. The Lord Jesus Christ tell you come to him. Reçois l'Éternel avant qu'il ne soit. Receive the Lord Jesus Christ before he becomes. L'Éternel te désire. The Lord Jesus Christ loves you. L'Éternel t'aime. The Lord Jesus Christ loves you. L'Éternel a démontré son amour sur la croix. The Lord Jesus Christ showed his love for you on the cross of Calvary. What are you waiting for? De la même façon, je pleure, mes frères. L'Éternel pleure de la même manière. Same way the Lord is crying for your soul. Parle chaque jour, mais vous ignorez ce qu'il vous dit. Because he's talking to you, but you are ignorant. Mais je vous assure. But he will tell you. Que si vous faites l'erreur de mourir loin de lui. If you die far away from God. Il ne sera pas votre avocat au jour du jugement. He will not be your judge on the day of judgment. Il ne sera pas votre défenseur au jour du jugement. He will not defend you on the day of judgment. Car c'est lui-même qui va vous jeter dans le feu qui ne se tient. Because he's the one that will destroy you in the hellfire. Alors mes frères et sœurs. So my brothers and sisters. Qu'est-ce que vous attendez? What are you waiting for? Qu'est-ce que vous attendez? What are you waiting for? Pourquoi laisser l'ennemi prendre contrôle de votre vie? Why are you not trying to understand your life? Pourquoi donnez-vous accès à Satan d'opérer davantage en vous? Why do you give access for the devil to work in your life? Ne pensez pas que vous aurez une seconde chance demain. Don't think that you have a second chance tomorrow. Parce qu'aujourd'hui, today, the Lord is calling for you. Jésus t'aime, mon frère. The Lord Jesus Christ loves you. L'Éternel dit. The Lord says. Car Dieu a tant aimé le monde. God so much loved the world. Qu'il a donné son Fils unique. That he gave his one and only Son. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. So that whosoever we believe in him will not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. But that we have everlasting life. Peu importe qui tu es. Whosoever you are. Peu importe la vie dans laquelle tu te trouves. Whatsoever be the life you are living in. Jésus est venu mourir pour toi. Jesus Christ came to die for you. L'Éternel est venu mourir pour toi. Jesus Christ came to die for you. Son sang a coulé à la croix pour toi. His blood was shed on the cross of Calvary for you. Son sang veut parler en ta faveur. His blood wants to speak for your favor. Son sang veut parler en ta faveur. His blood wants to speak for your favor. Jésus veut te justifier. Jesus Christ wants to justify you. Jésus veut arranger la situation dans ta famille. Jesus Christ wants to arrange things for your favor. Jésus veut garder tes enfants. Jesus Christ wants to keep your children. Jésus veut les éduquer. Jesus Christ wants to educate them. Afin de les éviter l'enfer. So that you will take them away from fire. Afin de les éviter le tourment. To deliver them from torment. Mes frères et sœurs, repentez-vous. My brothers and sisters, repent. Les jours de terreur arrivent. The day of anger is coming. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas dire quoi à Dieu? If you die today, what will you tell God? Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à ton sauveur? If you die today, what will you tell God? Ne sois pas impédé dans un pied d'ailleurs, repens-toi sincèrement. Repens-toi sincèrement. Tout ce que vous voyez, c'est une gloire éphémère. Whatever you are seeing is temporal glory. Tu cherches l'argent, mais chaque jour, tu n'es pas rassasié. You look for money every day, but you are not satisfied. Mais Dieu a celui-là qui est la source de vie. Come to eat that is the source of life. Si tu manges de ce pain, tu n'auras plus jamais soif de toute ta vie. If you eat the bread of life, you will never be hungry again. Tu n'auras plus jamais faim de toute ta vie. You will never be hungry. Et si tu bois de cette eau qu'il te donne, and you drink the water that he gives you, tu n'auras plus jamais soif. You will never be thirsty again. Parce que en toi coulera une source d'eau vive. Because in your life will flow a river of living water. Jésus t'aime, mon frère. Jesus Christ loves you. Vous répandez avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it is too late. Car l'enfer est réel. Because the fire is real. L'enfer est vraiment réel. The fire is really real. Ne laisse pas
Do not allow the enemy to distract you. Oui, on a pas tous les plaisirs de ce monde sont passagers. All of the pleasure of this world will pass away. Tous les plaisirs de ce monde sont passagers. All of the desires of this world will pass away. L'argent que tu cherches là va passer. The money you are seeking for will pass away. Les montagnes que tu veux élever là va passer. Everything you are seeking will pass away. Ton corps physique que tu as vécu va passer. Your physical flesh you are seeking will pass away. Mais ton âme est éternelle. But your soul is eternal. Cherche à retrouver la place pour ton âme. Seek to find a place of safety for your soul. Cherche à ce que ton âme soit réconciliée avec Dieu. Seek to reconcile your soul with your maker. L'Éternel te donnera tout ce que ton cœur désire. The Lord will give you all of what your heart desires. L'ennemi ne pourra plus rien contre ta vie. The enemy will not be able to do anything against you. Mes frères et sœurs, il est fort. My brothers and sisters, it is time. Que vous reveniez à l'Éternel. You come back to your God. Il est temps que vous reveniez à votre Père qui veut vous pardonner. It is time to come back to your God and want to forgive you. Il est temps que tu ouvres ton esprit et que tu dis Seigneur, me voici. It is time to open your spirit and tell him God, yeah, man. Il est temps que tu arrêtes de te moquer de la vérité. It is time that you stop mocking the truth. Arrête-toi. Stop. Arrête de te moquer de la parole de Dieu. Stop mocking the word of God. Arrête pas de te moquer de Jésus. Stop mocking the Lord Jesus Christ. Aucun prophète n'est venu mourir sur la croix pour toi. No prophet died on the cross of Calvary for you. Toi-même n'est pas capable de mourir pour toi. Even your father cannot die for you. Mais le roi des rois est venu mourir sur la croix pour toi. But the King of Kings came to die for you. Connaissez-vous la douleur du châtiment? Do you know the pain of what Christ went through? Connaissez-vous la douleur du fouet? Do you know the pain of the whipping? Il a été fouetté pour toi. He was struck for you. Il a été raillé pour toi. He was beaten for you. Il s'est fait moquer pour toi. He was mocked for your sake. Parce qu'il a dit. Because he says. Je suis venu, oh Père, pour faire ta volonté. Because he came to do the will of the Almighty. Et la volonté de Dieu. And the will of God. C'est que chacun connaisse le véritable Dieu. That every man should know who is the real God. Et celui que Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. And he will God have sent the Lord Jesus Christ of Nazareth. Il n'est pas venu pour une catégorie de personnes. He did not come just for some people. Il est venu pour tous. He came for everyone. Il n'est pas venu uniquement pour ceux-là qui sont élevés. He did not come only for the high-ranking people. Il est également venu pour ceux qui sont rabaissés. He came also for the lowly people. C'est pourquoi il a dit, je suis venu pour le pécheur. He said he came for the sinner. Donc si tu reconnais que tu es pécheur, viens à Jésus. If you recognize yourself as a sinner, come to Jesus. Et comprenant que tous ont péché. Ça veut dire personne n'est épargné. It means no man is spared. Alors prends conscience de tes péchés. So be conscious of your sin. Prends conscience, mon frère, de tes iniquités. Be conscious of your iniquities. Jésus-Christ peut ouvrir ton cœur et y habiter pour toujours. Jesus Christ wants you to open your heart so that we come and stay there forever. Jésus-Christ veut te glorifier. Jesus Christ wants to glorify you. Mes frères et sœurs. My brothers, my sisters. Repentez-vous. Repent. Le jour vient où ça ne sera que tourment. It is coming where it will be torment upon torment. Préparez-vous avant que l'enlèvement ne se fasse. Prepare yourself before the rapture. Parce que si vous ne vous repentez pas avant. Because if you don't repent before. Le tourment qu'il y aura sur la terre, personne ne vous ne pourra supporter. The torment that will be upon earth, nobody will be able to support. De la même façon qu'une mère ne peut voir la douleur de son enfant. The same way that no mother can see the torment of the child. De la même façon, Jésus ne veut pas te voir souffrir. In the same way, the Lord does not want you to see you suffer. Mais c'est à toi de faire le choix. But you are the one to make the choice. Et le choix c'est de ton vivant. And the choice is from your living. L'impudicité a pris contrôle sur toi. Immorality has taken control of your life. Seul Jésus peut t'en délivrer. Only Jesus Christ can take it away from you. La fornication, la masturbation. Fornication and masturbation. Jésus va te délivrer. Jesus Christ wants to deliver. Parce que derrière chaque péché, because behind every sin, est caché un esprit. A spirit is hidden behind. C'est pourquoi on voit des personnes qui volent. That is why you see some people stealing. Ils ont parfois la volonté de les aimer, ne parviennent pas. They want to do the will of God, but they are unable. C'est parce que ce démon du vol a déjà pris place dans son cœur. It's because that demon of armed robbery have already taken over them. Toi qui livres ton corps pour de l'argent, you that is selling.
selling your body for money. Sache que ce sont tes grâces que tu es en train de vendre. Know that you are selling your grace. Et demain quand tu n'auras rien. And tomorrow when you have nothing. Tu diras que Dieu ne t'aime pas. You will say God has done all for you. Dieu nous a tout donné. God has given us everything. Mais c'est nous qui prenons pour donner à Satan. But we are the one taking it to give to the devil. Et il prend ça pour vouloir nous contrôler avec. And he takes it to control us. Reviens à Jésus et reprends ton autorité. Come back to Jesus and take your authority. Reviens à Jésus et reprends ton autorité. Come back to Jesus and regain your authority. Parce que mon frère, ma soeur, because my brothers and sisters, l'amour que l'Éternel a pour nous est plus que tout. The love that the Lord has for us is more than everything. La fortune ne t'amènera pas au paradis. Cars cannot take you to heaven. Le charisme ne t'amènera pas au paradis. Whatever you think cannot take you to heaven. Le fait de t'appuyer avec élégance ne t'amènera pas au paradis. Dressing elegantly will not take you to heaven. Les limousines ne t'amèneront pas au paradis. Limousine will not take you to heaven. Mais c'est Jésus seul. It is only Jesus. Et c'est de ton vivant tu dois le choisir. It is why you are alive that you need to choose him. Il est temps pour prier pour celui qui se confie en lui. It is time for you to give your life to Jesus. Il est temps pour prier pour celui qui le désire. He has come for you that desire him. Mes frères et sœurs, my brothers and sisters, soyez bénis. Be blessed. Soyez amplement bénis. Be blessed. Au nom de Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ. Jesus. Mon frère, ma soeur, ton temps de repentance est arrivé. My brothers, my sisters, your time for repentance has come. Temps de repentance est arrivé, mon frère. Your time to repent has come. Tu t'es longtemps masturbé, mon frère. You have so long been in masturbation. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu as longtemps vécu dans la prostitution, mon frère. You have so long stayed in prostitution. Depuis des années, tu vends ton corps aux hommes. For many years, you have been selling your body to men. Depuis des années, tu livres ton corps. For many years you have been selling your body for miserable amounts. Aujourd'hui l'Éternel veut que tu te repentes, ma soeur. Today the Lord wants you to repent. Le Seigneur veut que tu abandonnes cette mauvaise pratique aujourd'hui. The Lord wants you to abandon that evil practice today. Aujourd'hui que tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. It is today you need to take an engagement to follow the Lord. Tu as longtemps suivi ta propre voie. You have so long followed your own ways. Tu as longtemps suivi tes propres choix. You have so long followed your own choices. Et c'est aujourd'hui que tu dois te repentir, mon frère. It is today you need to repent. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir, ma soeur. It is today you need to repent. Ton temps de repentance est arrivé, mon frère. Your time to repent has come. Ton temps de repentance est arrivé, ma soeur. Your time to repent has come. Ton temps de repentance est arrivé, mon frère. Your time to repent has come. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est le temps vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu vas quitter ce monde un jour. One day you will leave this world. Tu vas quitter ce monde un jour. One day you will leave this world. Un jour tu vas partir. One day you will go. Un jour tu vas quitter. One day you will leave this world. Un jour tu vas partir. One day you will leave this world. Tu vas rentrer où tu étais, mon frère. You will go back where you are coming from. Tu sors de quelque part. You are coming from a place. Tu vas retourner quelque part. And you will go back. Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Tu passes ton temps à faire ce que tu veux, mon frère. You spend your time to do what you want. Tu passes ton temps à faire ce que tu veux, ma soeur. You spend your time to do what you want. Est-ce que tu sais où tu vas partir lorsque tu quitteras ce monde? Do you know where you will go when you leave this world? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? C'est maintenant que tu dois commencer à chercher. It is now you need to begin to search. Le Seigneur vient à toi aujourd'hui. And the Lord tell you today. Le Seigneur vient à toi aujourd'hui. The Lord has come to you today. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à chercher. It is today you need to seek the Lord. Tu dois connaître ta destination finale. You need to know your final destination. Toute personne qui vit dans ce monde a une destination finale. Everyone living in this world has a final destination. Toute personne qui vit dans ce monde a une destination finale. Everyone living in this world has a final destination. Qui que tu sois, tu vas quitter ce monde un jour. Whosoever you are, you will leave this world one day. Quelle que soit ta religion. Whatever be your religion, quelle que soit ta nation, whatever be your nation, un jour tu vas quitter ce monde. One day you will leave this world. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu, mon frère. I will give an account to God. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. You will give an account to God. Tu vas rendre compte à Dieu pour ta vie. You will give an account to God. Que diras-tu à Dieu, mon frère? What will you take on? Que diras-tu à Dieu, ma soeur? What will you take on? Lorsque tu seras devant l'Éternel. When you stand before God. Dieu va te poser la question, mon frère. God will ask you questions. Que diras-tu à Dieu, mon frère? What will you take on? Que diras-tu à Dieu, ma soeur? What will you take on? Pour le moment, tu vis comme tu veux. For the moment, you are living the way you want. Tu ne sais pas que tu te rends
devant un ennemi de Dieu sans le savoir. You don't know you are making yourself an enemy. Tu vois comment tu fais de ton corps ce que tu veux. But you are making your. Tu ne sais pas comment tu vas sceller le sort de ton âme. You don't know you are sealing your judgment. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is now you need to repent. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Because nobody knows the day nor the hour. Tu ne connais pas le jour où tu vas mourir. You don't know the day you are going to die. C'est maintenant que tu dois te repentir et accepter Jésus qui t'a dit. Today is the time for you to repent and give and accept the Lord Jesus Christ. Tu ne connais pas le jour où tu fermeras les yeux. You don't know the day you are going to close your eyes. C'est maintenant que tu dois te repentir. Today is the time for you to repent. Et abandonner ta mauvaise vie. And abandon your evil life. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is now you need to repent. Et abandonner ta mauvaise vie. And abandon your evil life. Parce que si tu continues à mener une mauvaise vie. Because if you continue living an evil life. Si tu continues à mener une mauvaise vie. If you continue living an evil life. Une vie de vol. A life of stealing. Une vie de publicité. A life of immorality. Une vie de prostitution. A life of prostitution. Une vie de vagabondage sexuel. A life of sexual immorality. Une vie de masturbation. A life of masturbation. Une vie d'alcool. A life of alcoholism. Je te le tiens vérité en vérité. Very, very, we tell you. Tu seras rejeté par Dieu. You will be rejected by God. Le plan de Dieu pour toi est que tu vives éternellement. The plan of God for you is to live eternally. Mais si tu persistes dans ta mauvaise vie. But if you persist in your evil life. Si tu continues dans ta mauvaise vie. If you continue your evil life. La mort va te trouver dans cette mauvaise vie. Your death will meet you in that evil life. Et tu vas périr, mon frère. And you will perish. Si quelqu'un qui s'amène sans se repentir. If anyone leaves this world without repenting. Qui que tu sois, mon frère. Whosoever you are. Si tu meurs sans te repentir. If you die without repenting. Si tu le tiens vérité en vérité. Very, very, we tell you. Tu vas périr, mon frère. You will perish. Tu vas souffrir, mon frère. You will suffer. Tu vas souffrir, mon frère. You will suffer. Je te le tiens vérité. Very, very, we tell you. Parce que Dieu ne veut pas que tu souffres après. Because God does not want you to suffer. Parce que l'Éternel ne veut pas que tu souffres après. God does not want you to suffer after. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans les regrets lorsque tu quitteras ce monde. God does not want you to regret when you leave this world. Il nous envoie devant toi aujourd'hui. He has promised before you. Il nous envoie te parler. He has sent us to talk to you. Il nous envoie te parler. He has sent us to talk to you. Il nous envoie t'annoncer la bonne nouvelle. He has sent us to announce to you the good news. Il nous envoie t'annoncer la bonne nouvelle. He has sent us to announce to you the good news. So that they can be a hope for you. Toi, ma soeur. There is hope for you. Tu peux encore changer les choses. You can still change things. Tu peux encore changer de vie. You can still change your life. Tu peux encore changer de vie. You can still change your life. Je te le tiens vérité en vérité. Very liberally we tell you. Maintenant que tu dois changer de vie, ma soeur. It is now you need to change your life. Quel que soit ton âge. Whatever be your age. Quel que soit ton âge. Whatever be your age. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your quel life. Quel que soit ton âge. Whatever be your age. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your quel life. Quel que soit ton âge, mon frère. Whatever be your age. Quel que soit ton âge, ma soeur. Whatever be your age. Dieu t'appelle à changer de vie. God is calling you to change your life. Je te le tiens vérité en vérité. Very, very, we tell you. Et maintenant que tu dois changer de vie. This is the time for you to change. Dieu t'appelle à changer de vie. God wants you to change your life. Je sais pas pourquoi Dieu t'appelle à changer de vie. I don't know why God is calling for you to mais change your life. Je te le tiens vérité en vérité. Very, very, we tell you, you need to change your life. God is calling you to change your life. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement aujourd'hui que Dieu t'appelle à changer de vie. You don't know why it's only today God is calling you to change your life. Parce que je ne connais pas comment tu vis. Because you don't know the way you are living your life. Dieu t'appelle à changer de vie. But God wants you to change your way of life. Vérité, vérité. Very, very, we tell you. Tu dois changer de vie aujourd'hui. You need to change your way of life today. Tu dois changer de vie aujourd'hui. You need to change your way of life today. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Laisse-moi te dire quelque chose. Allow us to tell you one thing. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'elles sont pauvres dans ce monde qu'ils vont aller au ciel. Some people think it's because they are poor in this world that God will pity them in heaven. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'elles souffrent dans ce monde que lorsqu'elles vont mourir, elles vont au ciel. Some people think it's because they are suffering in this world that they will go to heaven. Ce n'est pas parce que tu es pauvre dans ce monde que tu vas aller au ciel, mon frère. It is not because you are poor that you will go to heaven. Ce n'est pas parce que tu es pauvre dans ce monde que tu vas échapper au feu de l'enfer. It is not because you are poor that you are going to escape hellfire. Pour échapper au feu de l'enfer, tu dois te repentir et accepter Jésus-Christ. To escape hellfire, you need to repent and give your life to Jesus. Tu dois te repentir et croire en Jésus-Christ. You need to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Je te le tiens vérité en vérité. We tell you by the truth. C'est le moment d'abandonner ta religion. It is time to abandon your religion. C'est le moment d'abandonner ta religion. It is time to abandon your religion. C'est le moment d'abandonner ta tradition. It is time to abandon your tradition. Parce que beaucoup sont attachés à ces choses. Because many are attached to those things. Beaucoup de personnes sont attachées à la tradition. Many people are attached to those things. Sous prétexte que c'est ce que mes ancêtres ont suivi. That is what their ancestors followed. Sous prétexte que c'est ce que mes parents ont toujours suivi. That is what their parents followed. Mon frère, ma soeur, my brother, je te le tiens vérité en vérité. Very, very, we si tell tu you. Continues à t'attacher à la tradition, if you continue attaching yourself to tradition, je te le tiens vérité en vérité. Very, very, we tell you. Ça va te conduire à la condamnation éternelle. It will take you to everlasting condemnation. Ça va te conduire à la condamnation éternelle. It will take you to everlasting condemnation. Tu dois abandonner ta religion. If you don't abandon your tradition. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas de religion. When we talk of the Lord Jesus Christ, we are not talking of religion. Tu as dit dans ton cœur que j'abandonne ma religion pour venir chez vous. You will say you want to abandon your religion and come to us.
religion. On n'appartient pas à une religion, mon frère. We don't belong to a religion. Nous ne parlons pas d'une religion. We are not talking of religion here. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jesus Christ is not a religion. Jésus-Christ est la vie. Jesus Christ is life. Nous sommes en train de parler de la vie. We are talking to your life. C'est une question de vie, mon frère. It is a question of life. Nous sommes en train de parler de vie. We are talking to your life. Tu dois accepter Jésus-Christ, mon frère. You need to accept the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu continues à t'accrocher sur ta religion. If you continue hanging on your religion. Beaucoup de personnes s'accrochent sur leur religion. Many people are hanging on their religion. Et ils pensent qu'ils croient déjà en Dieu. And they think they already believe in God. Tu vis comme tu veux. You live the way you want. Mais tu dis que tu appartiens à une religion. But you say you belong to a religion. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Tu te trompes toi-même. You are deceiving yourself. C'est aujourd'hui que tu dois changer de vie. It is today you need to change your way of life. Changer de vie aujourd'hui. You need to change your way of life today. Beaucoup de personnes vont à l'église. Many people go to church. Beaucoup de personnes vont à l'église tous les dimanches. Many people go to church every Sunday. Et ces personnes vivent toujours dans la fornication. But those people are still living in fornication. Tu vas à l'église tous les dimanches. Every Sunday you go tu to church. Tu dis que tu es né de nouveau, mon frère. You say you are born again. Mais tu vis toujours dans la fornication. But you are still living in fornication. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Tu n'as jamais été converti. Because you have never been converted. Tu n'as jamais été converti. You have never been converted. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. If you are giving your life to the Lord Jesus Christ. Et que tu n'as pas coupé les liens avec la fornication. And you have not cut link with fornication. Ton temps de repentance est arrivé. Your time for repentance has come. Est-ce que tu n'étais jamais repenti, mon frère? If you have never repented. Quel que soit le poste que tu as à l'église présentement. Whatever be the post you are having presently. Tu n'as jamais été converti. You have never been converted. Tu n'étais jamais repenti. You have never repented. Parce qu'à partir du moment où on donne sa vie à Jésus-Christ. Because from the moment you give your life to the Lord Jesus Christ. On coupe les ponts avec le péché. We cut links with sin. Mais toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ. You that have given your life to the Lord Jesus Christ. Tu es toujours dans l'alcool. Tu es toujours dans la fornication. You are still in fornication. Ta vie c'est toujours les bains, les boîtes de nuit. Your life is only bars and nightclubs. Tu es toujours le même. You are still the same. Tu n'as jamais changé. You have never changed. Tu as toujours le mauvais cœur. You are still having an evil heart. Tu le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu n'as jamais été converti. You have never been converted. Tu n'étais jamais repenti. You have never repented. Et ton temps de repentance est arrivé aujourd'hui. Your time for repentance has come. Aujourd'hui que tu dois te repentir, mon frère. Today is the time for you to repent. Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va te sauver. It is not going to church alone that will save you. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va te sauver. It is not going to church alone that will save you. Dis que tu es chrétien. If you say you are Christian. Et que tu vis dans l'abomination. And you are living in abomination. On parle d'alcool, tu es à l'intérieur. They talk of alcohol, you are in. De fornication, tu es à l'intérieur. They talk of fornication, you are there. On parle de fornication, tu es à l'intérieur. They talk of fornication, you are in. Enfin, on parle du Congo sale, tu es à l'intérieur. The Congo of gossip, you are in. On parle de l'impudicité, tu es à l'intérieur. They talk of immorality, you are there. La masturbation, tu te retrouves à l'intérieur. Masturbation, you are there. Tu es chrétien comment, mon frère? How can you be called a Christian? Ce n'est pas possible, mon frère. Where it is not possible. Tu n'es pas chrétien, mon frère. You are not a Christian. Ton temps de repentance est aujourd'hui. Your time of repentance is today. Tu n'étais jamais repenti. Because you have never repented. Tu dois te repentir aujourd'hui, mon frère. You need to repent today. Jésus Christ appelle à la repentance. Jesus Christ is calling you to repentance. Jésus Christ appelle à la repentance. Jesus Christ is calling you to repentance. Tu dois te repentir aujourd'hui. You need to repent today. Tu dois te repentir aujourd'hui. You need to repent today. Tu dois te repentir aujourd'hui. You need to repent today. Quand tu descends et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient, les paralysés.
sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. La stérile enfante, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Bien-aimé, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. My beloved, greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. May the Lord Jesus Christ bless you. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est toujours pour ce même message. If we are here today, it's for the same message. C'est le message de la repentance. It's the message of repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Jesus Christ is calling us to repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Jesus Christ is calling us to repentance. Jésus voudrait que nous revenions à nos propres, à notre meilleure voie. Jesus Christ wants us to come back to the way He has chosen for us. Jésus t'appelle à changer de vie. Jesus Christ wants you to change your way of life. Jésus t'appelle à changer de vie. Jesus Christ has called you to change your way of life. À mettre de l'ordre dans ta vie. To put orderliness in your life. À te préparer pour le retour du Seigneur Jésus. To prepare yourself for the return of the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. My brothers, my sisters, time is finished. Les temps sont finis. Time is finished. Jésus est à la porte. Jesus Christ is at the door. Jésus est à la porte. Jesus Christ is at the door. Ne perds pas de vue son message. Do not reject His message. Et la parole de Dieu dit. The word of God says. Que ne pensez pas que le Seigneur tarde à venir comme beaucoup le pensent. Le Seigneur Jésus ne tarde pas à venir. The Lord has not delayed to come. Il ne tarde pas à venir. He has not delayed to come. Mais c'est par amour, c'est par patience pour nous qu'il attend encore. It is by love, it is by love for us that he is waiting again. C'est par patience pour toi et moi qu'il attend encore, qu'il n'est pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. It is by love that he is patient, that he is waiting, he has not yet come. C'est parce qu'il te donne le temps de te repentir. It is because he's giving you time to repent. C'est parce qu'il te donne le temps de mettre de l'ordre dans ta vie. He is giving you time to put your life in order. Mon frère, ma soeur, mets de l'ordre dans ta vie. My brothers and sisters, put your life in order. Le temps sont finis. Time is finished. Le temps pour toi de croire, le temps pour toi de changer est arrivé. The time for you to change yourself. Le temps pour toi de changer, de mettre de l'ordre dans ta vie est arrivé. Time for you to change and put your life in order yourself. Le temps pour toi de servir le Seigneur Jésus est arrivé. Time to serve the Lord Jesus Christ yourself. Le temps pour toi d'abandonner le péché est arrivé. Time for you to God will not be the one. Man will not be the one to judge you, but God will be the one to judge you. Dieu qui va te juger. God will be the one to judge you. Pourquoi tu sors? C'est Dieu que tu dois craindre. That is why you need to fear God. Mon frère, ma soeur, tu dois craindre Dieu. You need to fear God. Tu dois craindre l'Éternel. You need to fear the Almighty God. Qui est capable de donner un jugement à ton sort. That is able
people to give you judgment to your soul. Les hommes pour qui tu marches, les hommes pour qui tu travailles, ne te jugeront pas. Those that are looking on you cannot help you, they can never save you. Les hommes pour qui tu parles ne te jugeront pas. Those that you are working for will not save you. Les gens pour qui tu recherches la gloire ne te jugeront pas au dernier jour. C'est Dieu qui te jugera. Au dernier jour, c'est Dieu qui te jugera. On the last day, God will see you, judge you. Mon frère, ma soeur, Dieu va te juger. Est-ce que tu es conscient de ça? My brothers and sisters, God will judge you. Are you conscious of that? Et tu seras le seul. Tu seras seul devant Dieu au jour du jugement. You will be alone with God on the day of judgment. Personne ne sera avec toi. Nobody will be with you. Tu ne pourras pas accuser ton père ni ta mère. You will not accuse your father nor your mother. Tu ne pourras pas accuser ta femme ou ton mari. You will not accuse your wife or your husband. Tu ne pourras pas accuser ton prêtre ou ton pasteur. You will not accuse the priest, your reverend father, nor your pastor. On va te juger sur tes actes. They will judge you according to your actions. On va te juger sur tes actes. They will judge you according to your actions. Parce que ce sont tes actes qui font de toi une bonne ou une mauvaise personne. Because they are your actions that make you either a good or an evil person. Et ce que tu acceptes dans ta vie. And what if you accept in your life? Si tu acceptes le mal, cela te suivra. If you accept evil, it will follow you. Si tu acceptes le bien, cela te suivra. If you accept good, it will follow you. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu changes. My brothers, my sisters, God wants you to change. Jésus voudrait que tu changes. Jesus Christ wants you to change. Il voudrait que tu abandonnes le péché. Jesus Christ wants you to abandon sin. Il voudrait que tu renonces à ce qui t'est cher. He wants you to renounce whatsoever is holding you in this world. Parce que ce qui t'est cher, c'est ce qui comble les désirs de ta chair. Because whatsoever is dear to you in this world is what is pleasing to your flesh. Qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie, mon frère? What have you put as a priority in your life? Quelle est la priorité dans ta vie? What is your priority in life? C'est ta femme. Is it your wife? Ce sont tes enfants. Are they your children? C'est ton mari. Is it your husband? Ce sont tes parents. Are they your parents? Où est ta famille? Is it your family? C'est ton travail. Is it your job? Qu'est-ce qui est en priorité dans ta vie? What is your priority in life? Est-ce que ce que tu mets en priorité va t'aider pour l'éternité? What you are putting in priority with you every day in life? Est-ce que ce que tu mets en priorité va t'aider pour le royaume des cieux? What you are putting in priority with you have you forever? Dis en vérité, le royaume des cieux existe véritablement. Verily, verily, heaven and earth exist. Si tu veux aller au paradis, mais sache aussi que ceux qui ne veulent pas aller au paradis, il y a l'enfer pour eux. You know that are rejecting heaven know that hellfire is reserved for them. Tout comme le paradis existe, l'enfer existe aussi. Even the way heaven is reserved, even the way heaven exists, hellfire also exists. Comme le bien existe et le mal aussi, de la même manière, le paradis et l'enfer existent. The way evil exists and good exists, that is the way heaven and hell also exist. Ceux qui meurent sans se repentir, c'est l'enfer. Those that die without repenting, there is hellfire. Ceux qui meurent sans se repentir, c'est l'enfer. Those that die without repentance go to hell. Oh, nous sommes venus vous parler de la repentance. Then we are talking to you of repentance. La repentance, c'est la confession des péchés. Repentance is confession of your sin. C'est le regret des péchés. It is regretting your sin. C'est sur le renoncement au péché. It is renouncing your sin. C'est ça la vraie repentance. That is real repentance. Et Jésus voudrait que tu pratiques cette vraie repentance. Parce que si tu ne pratiques pas cette repentance, tu ne pourras pas avoir accès au royaume des cieux. If you don't reject Jesus, Christ will reject you on the last day. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux, mon frère, ma soeur. Jésus t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Et c'est pourquoi il est venu ici là sur cette terre. C'est pourquoi il est venu mourir pour toi. That is why he came to die for you. Pour te donner la force. To give you the power. Pour te donner la force de renoncer au péché. To give you the power to renounce him. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu pratiques une vie de sanctification. What God wants for you is to practice a holy life. C'est que tu marches dans la vérité. It's for you to walk in holiness. C'est que tu cesses de pratiquer la fraude. It's for you to stop practicing. Que tu cesses de pratiquer la fraude. It's for you to stop stupid people. Que tu cesses de pratiquer la corruption. For you to stop practicing corruption. Le mensonge. Lies telling. Le vol. Stealing. Le banditisme. Arm robbery. La sorcellerie. Witchcraft. La fornication. Fornication. La masturbation. Masturbation. L'ivrognerie. Drunkenness. Les injures. Et les moqueries. Moqueries. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Aussi longtemps que tu te trouves, tu te sens à l'aise dans ces choses, cela ne t'aidera pas. As long as you find pleasure in those things, it will never help you. Cela ne t'aidera pas, mon frère, ma soeur. It will never help you. Tu dois te repentir pour ressembler à celui
qui t'a créé. You need to repent to resemble He that created you. Ne dis pas que je vis ma vie comme je veux, ça va pas t'aider. Don't say you will live your life the way you want, it will not help you. Ne dis pas que je fais ce que je veux, ça ne va pas t'aider. Don't say you will do what you like, it will not help you. Il est vrai aujourd'hui tu as la chance, c'est ce que tu voulais, mais si tu dois faire attention. You have everything, you have money, you have whatsoever you want, but you need to be very careful. Be very careful, my brother. Aucun des choses matérielles ne pourra sauver l'homme. Because no material thing will be able to save you. Le matériel ne peut pas te servir. Material thing will be unable to save you. C'est Jésus qui peut te sauver. Only Jesus is able to save you. C'est Jésus qui peut te sauver. Only Jesus is able to save you. C'est Jésus qui peut te sauver. Only Jesus is able to save you. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Very, I tell you, only Jesus can save you. Jésus seul peut te sauver. Only Jesus Christ can save you. Il n'y a pas une autre personne que Jésus pour sauver. There is no other person that the Lord Jesus Christ will save you. Jésus seul sauve. Only Jesus Christ can save you. Jésus seul délivre du péché. Only Jesus Christ can deliver you from sin. Jésus seul anéantit du péché. Jesus Christ can bring you out of sin. Jésus seul te délivre de toutes sortes de tourments. Jesus Christ can bring you from every form of torment. Jésus seul peut t'aider. Only the Lord Jesus Christ can help you. Dans toute situation que tu te trouves, appelle à Jésus, viendra. In every situation you find yourself in, call on the Lord, He will answer you. Jésus va t'aider. Jesus Christ will help you. Il n'a pas besoin de regarder si tu as été meurtrier, si tu as été voleur. Jésus peut t'aider. Whether you are a thief, whosoever you are, Jesus Christ will help you. D'ailleurs même qu'il n'a pas besoin que nous soyons justes avant de mourir pour nous. He did not need us to be holy and righteous before He died for us. Il est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. He died for us while we were yet sinners. Nous n'avons pas mérité le sacrifice du Seigneur Jésus. We did not merit the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Nous n'avons pas mérité son sacrifice pendant il est mort pour nous. We did not merit his sacrifice, but He died for us. Aujourd'hui on fait du bien à ceux qui nous font du bien. And today He continues doing us good. Aujourd'hui on fait du bien à ceux qui nous ont fait du bien. Today again He continues doing us good. Et on fait du mal à ceux qui nous ont fait du mal. And we continue doing bad to him that have done us good. Quand nous péchons, c'est faire du mal à Jésus. When we sin, we are doing harm to Jesus. Pécher, c'est faire du mal à Jésus. When we sin is to do bad to Jesus. Cependant, il n'a pas regardé si on lui a fait du bien ou pas. Il est mort pour nous. He died for us without looking whether we did him good or evil. Nous l'avons fait du mal, mais cependant, il est mort pour nous. We did him evil, but he died for us. Bien aimé, considère combien est grand l'amour de Jésus. My beloved, believe in the love of the Lord Jesus Christ. Considère comment est grand et puissant l'amour de Jésus pour toi. Consider how great and powerful the love of Jesus Christ is for you. Combien de fois tu as manqué aux accidents? How many times you have escaped accidents? Combien de fois il t'a délivré des accidents? How many times he delivered you from accidents? Combien de fois il t'a délivré des empoisonnements? How many times he delivered you from prisons? Combien de fois il t'a délivré de la mort? How many times he delivered you from death? Oh mon frère, ma soeur, considère l'amour de Jésus. Oh my brothers, my sisters, consider the love of the Lord Jesus Christ. Et change de vie. And change your life. Et change de vie. And change your life. Change de vie, c'est pour ton bien. If you change your life, it is for your good. C'est pour ton bien. It is for your own good. Ce n'est pas pour le bien de Jésus. It is not for the good of anyone. Tu ne fais pas du bien en servant Dieu. You don't do good to God by serving Him. C'est pour toi-même que tu sers Dieu, mon frère, ma soeur. That is why you need to serve the Lord Jesus Christ. Alors mets ton orgueil de côté. So put your pride aside. Mets ton orgueil de côté et sers Dieu. Put your pride aside and serve God. Humilie-toi devant lui et tu ne seras pas déçu. Humble yourself before Him and you will not be disappointed. Mets ton orgueil de côté et sers Dieu. Put your pride aside and serve God. Sers Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Serve God with all of your heart. Si tu veux la vie éternelle, sers Dieu. If you want eternal life, serve God. Et si tu ne sais même pas d'ailleurs ce que c'est que la vie éternelle. And if you don't know what is eternal life, demande on va te dire. Ask and we will tell you. Demande on va te dire. Ask and we will tell you. Beaucoup ne servent pas Dieu, ne s'accrochent pas à Dieu parce que par manque de connaissance. Many people do not serve God, they don't accept God because they lack knowledge. Ils ignorent que l'éternité existe.
They are ignorant of the fact that God exists. Ils ignorent qu'il y a une vie après la mort. They are ignorant that there is life after death. Ils disent que lorsqu'ils vont mourir, tout finira ici sur cette terre. They think that when they die, everything will finish here on earth. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Of which it is not the case. Papa, ma soeur, quand tu vas mourir, tu seras face à un autre monde. My brothers and sisters, when you die, you will stand before another one. Quand tu es né, tu n'as ni choisi ton père, ni ta mère, ni le lieu où tu es né. Ni ton nom, tu n'as rien choisi. When you were born, you did not choose your father, your mother, nor your name, nor where you came from. Et tu ne pourras non plus pas choisir si l'enfer ou le paradis existent. And you cannot choose whether heaven or hell exists. Mais cependant, tu peux choisir la direction que tu peux prendre. But you can choose the direction that you need to take. Après la mort, il y a deux chemins. After death, there are two ways. Après la mort, il y a deux chemins. After death, there are two ways. Jésus te dit qu'après la mort, il y a deux chemins. Jesus said, tell you, after death, there are two ways. Il y a le royaume des cieux, il y a aussi l'enfer. There is a kingdom of God and there is also empire. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Jesus Christ doesn't want you to go to hell. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. He does not want you to go to hell. Tu vas te demander que Jésus a fait quoi? You will ask what has Jesus Christ done? Il a fait quoi pour m'empêcher d'aller en enfer? What have he done to stop me from going to hell? Tu vas te poser cette question. You will ask yourself that question. Qu'est-ce qu'il a fait pour m'empêcher d'aller en enfer? What have he done to stop me from going to hell? Qu'est-ce qu'il a fait pour m'empêcher de tomber dans le péché? What have he done to stop me from falling into sin? Jésus a fait. Jesus, et il continue de faire. Jesus Christ has done and he continues to do. Il est mort sur la croix pour toi, mon frère, ma soeur. He died on the cross of Calvary for you, my sister. La Bible dit que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. Si ce n'était pas la grâce du sacrifice de Jésus, nul d'entre nous devait avoir accès au paradis. If not for the grace of God, none of us will have access to the kingdom of God. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Because it is a grace that the Lord has given us. C'est pourquoi il est écrit. That is why it is written. Que Dieu a tant aimé le monde. God has so much loved the world. Que Dieu a tant aimé le monde. God has so much loved the world. Mesurez les paroles, s'il vous plaît. Que Dieu a tant aimé le monde. God so much loved the world. Qu'il a donné son fils unique. That he gave his only begotten son. Afin que quiconque croit en lui. So that whosoever believe in him. Ne périsse point. Should not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. But that he should have everlasting life. Par Jésus, tu as la vie éternelle. Without Jesus Christ, you cannot have everlasting life. Par Jésus, tu as la vie éternelle. By Jesus Christ, you have everlasting life. C'est seulement si tu crois et que tu marches selon ses voies. Even though you believe and you walk according to his will. Tu dois croire en Jésus et marcher selon ses recommandations. You need to believe in the Lord Jesus Christ and walk according to his will. Quand tu arrives dans un lieu de prépare concours, when you reach at a place of preparation of concours, les responsables vont te dire comment faire pour réussir le concours. Those that are responsible will tell you how you will do to succeed. Ils vont te dire comment étudier pour réussir le concours. They will tell you how you need to study before you succeed. De la même manière, Jésus te dit comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. In the same way, the Lord Jesus can tell you what you need to do to enter the kingdom of God. Il te dit ce que tu dois faire pour entrer dans le royaume des cieux. He tells you what you need to do to enter the kingdom of God. C'est en marchant dans la sanctification. It's in walking in holiness. C'est en marchant dans la sanctification. It is walking in holiness. Dans la sainteté. In holiness. Jésus voudrait des gens qui le servent en esprit en vérité. Jesus Christ wants us who are serving in spirit and in truth. Si tu te déclares comme étant un enfant de Dieu, un chrétien, tu dois le servir en esprit en vérité. If you call yourself a Christian, a child of God, you need to serve him in spirit and in truth. Le chrétien c'est celui-là qui le sert en esprit en vérité. A Christian is he that serve him in spirit and in truth. Celui qui s'appelle chrétien sert Dieu en esprit en vérité. He that is called a Christian sert God in spirit and in truth. Toi qui dis que tu es chrétien. You that say you are a Christian. Pose-toi la question. Ask yourself this question. Est-ce que je fais la volonté de mon Père? Am I doing the will of my God? Est-ce que je fais la volonté de Jésus? Am I doing the will of Jesus? Chrétien veut dire petit Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Christian means a small Christ. Petit Christ. A small Christ. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, en quelque sorte, le chrétien doit ressembler à Christ. It means in one way a Christian needs to resemble Christ. Justement, si tu es chrétien, tu dois être à l'image de Christ. So if you are a Christian, you need to be in the image of Christ. Tu dois manifester le comportement que Christ avait. You need to manifest the behavior that Christ had. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jesus Christ loves you. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jesus
Jesus Christ loves you. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jesus Christ loves you. Ce qu'il veut pour toi, c'est te sauver. What he wants for you is to save you. Ce qu'il veut pour toi, c'est t'aider. What he wants for you is to help you. Jésus pleure un jour à cause de toi. Jesus Christ cries days and nights because of you. À cause de toi. Because of you. Parce qu'il voit combien je suis en train de t'égarer. Because he sees the way you are going astray. Il recherche. Il fait tous les moyens. Il essaie tous les moyens possibles pour t'attirer à lui. Mais toi, tu détournes ton cœur. He makes everything possible to attract you to him. So you are always distracted from him. Jésus voudrait que tu tournes le regard vers lui. Jesus Christ wants you to turn and look his way. Si tu n'as pas le regard vers Jésus, tu seras à la merci de toutes sortes de dangers. If you are not having the Lord Jesus Christ, you don't look toward the Lord Jesus Christ, you will be at the mercy of every danger. Jésus n'attend que toi. Jesus Christ is waiting for you. Jésus n'attend que toi. Jesus Christ is waiting for you. Jésus n'attend que toi. Jesus Christ is waiting for you. Prends la décision de le servir fermement. Take the decision to serve him faithfully. Par amour. Par amour, non pas parce qu'on te dit, mais par amour. Not by what they tell you, but by love. Dis-toi que je sers Jésus par amour. Parce que lui, il m'a aimé le premier. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. The Lord, the Bible says he loved us first. Il nous a aimé le premier. He loved us first. Mon frère, oh, my brothers, my sisters. Si tu pouvais contempler l'amour de Jésus pour toi. If you can understand the love of God for you. Et t'assure que même notre présence ici là ce soir est un signe de son amour pour toi. Even our presence in this evening is a proof of God's love for you. Le fait pour toi d'écouter ce message, c'est encore un signe de l'amour de Jésus pour toi. Only listening to this gospel is a proof of God's love for you. Et nous prions vraiment que tu considères cet amour de Jésus. And we pray that you consider the love of God. Réalise cet amour profond et puissant qu'il a pour toi. Realize this deep love that the Lord has for you. Et fais une seule chose. Et fais une seule chose, abandonne le péché. And do only one thing, abandonne sin. Abandonne le péché. Abandonne sin. Abandonne le péché. Abandonne sin. Abandonne le péché. Abandonne sin. C'est le péché qui t'amène en enfer. Only sin will carry you to hell. Ce n'est pas Jésus qui t'amène en enfer. It is not Jesus that takes you to hell. C'est le péché qui t'amène en enfer. It is sin that takes you to hell. N'importe ce que tu as fait, Jésus peut te pardonner. Whatsoever you have done, Jesus Christ can forgive you. Jésus est capable de te pardonner. Jesus Christ is able to forgive you. Si tu ne pleures pas, Jésus peut te pardonner. If you are open, the Lord Jesus Christ will help you. Si tu te repens, Jésus peut te pardonner. If you repent, the Lord Jesus Christ can forgive you. Mets de côté tout ce que tu t'attaches dessus. Put aside everything you are attached on. Mets Jésus en premier lieu. Put Jesus Christ in the first place. Mets Jésus en première position dans ta vie. Put Jesus Christ in the first position in life. Mets Jésus en priorité dans ta vie. Put Jesus Christ as a priority for your life. Mets Jésus en priorité dans ta vie. Put Jesus Christ as a priority in your life. Essaye même d'abord de le mettre en priorité dans ta vie et tu verras. Don't try to put him as a priority and you will see. Essaye juste un peu et tu verras. Just try and you are going to see. Tu ne seras pas déçu, mon frère. You will not be disappointed. Tu ne seras pas déçu. You will not be disappointed. Tu n'es pas fatigué. Are you not tired? Tu n'es pas fatigué. Are you not tired? Tous les jours. Every day. Tous les jours. Every day. Dans les rêves, on te presse. In the dream, the suppression. Tu n'es pas fatigué des oppressions de tous les jours. Are you not tired of oppressions? Tu n'es pas fatigué de ta vie qui n'a pas de sens. Are you not tired of your meaningless life? Tu n'es pas fatigué de retomber chaque jour dans le péché. Are you not tired of living a sinful life? Tu n'es pas fatigué de faire ce que tu ne veux pas faire. Are you not tired of doing what you don't want to do? Tu n'es pas fatigué d'être contraint à tout corrompre. Are you not tired of being manipulated to do what you don't want to do? Tu n'es pas fatigué, mon frère, ma soeur. Are you not tired, my brothers and sisters? Ma soeur, tu n'es pas fatigué de te prostituer. My sister, are you not tired of prostitution? Mon frère, tu n'es pas fatigué de te masturber. My brother, are you not tired of masturbation? Si tu es fatigué, viens à Jésus. If you are tired, come to Jesus. Si tu es fatigué, viens à Jésus. If you are tired, come to Jesus. Il dit dans sa parole. He says in his word. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Come to me, all you that are tired and heavy laden. Et je vous donnerai du repos. And I will give you rest. Jésus donne le repos. Jesus Christ gives rest. Jésus donne le repos. Jesus Christ gives rest. Pas pour toi tous les jours sur ta conscience. Jésus donne le repos. You that is tired every day, the Lord Jesus Christ gives rest. Parce qu'on n'a pas appris ton père chaque jour. Jésus donne le repos. You that is tired of being sick every day, the Lord Jesus Christ gives rest. Parce qu'on n'a pas appris ton père chaque jour.
Jesus Christ. Chrétien qui a abandonné le Seigneur Jésus, retiens. Nous, Christian, avons abandonné le Seigneur Jésus.
Jesus Christ, come back. You don't have abandoned the Lord Jesus Christ, come back. You don't say you were first a Christian. Moi aussi, j'évangélisais. That you yourself were evangelizing. Et aujourd'hui. And today. Aujourd'hui. And today. La Bible dit. The Bible says. Que si le juste se détourne de ses droits. That if the righteous turn away from his righteousness. Et qu'il commence à faire du mal. And he begins to commit evil. Toutes les fois qu'il a fait du bien seront oubliées. All of what he has done good will be forgotten. C'est ce qu'il sera en train de faire qui sera considéré. It is what he has been living in will be considered. De la même manière, si le méchant se repent de ses voies. In the same way, if the wicked repent from our evil ways. Si le méchant se repent de ses voies. If the wicked repent from the wicked ways. Et commence à faire du bien. And he will do that which is good. Le mal qu'il aura eu à faire sera oublié. All of the evil he has committed will be forgotten. Ce qui sera considéré, ce sera ce qu'il sera en train de faire. That which will be considered, it will be the righteousness that he has started to do. Mais pas ma soeur, ce qui compte pour toi, c'est le présent. What we count for you is the present. Ce qui compte pour toi, c'est le présent. What we count for you is the present. Qu'est-ce que tu fais maintenant? What are you doing presently? Qu'est-ce que tu fais maintenant? What are you doing now? Qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne maintenant? What are you doing of your life now? Est-ce que tu fais comme tous les autres? Are you doing like others? Est-ce que tu fais comme tous les autres? Are you doing like others? Est-ce que tu es religieux? Are you a religious person? Est-ce que tu es religieux? Are you just a religious person? Est-ce que tu dois te passer à l'église et faire tes petites prières matin et soir? Is it going to go say that it matters to you? Pose-toi la question. Ask yourself this question. Pose-toi la question. Ask yourself this question. Est-ce que je suis un véritable ou une véritable chrétien? Am I really a Christian? Est-ce que vous me trouvez là? Jésus peut être content de moi. Can Jesus Christ be happy with me? Qu'est-ce que Jésus pense de moi? What is Jesus Christ thinking of me? Qu'est-ce que celui qui m'a créé pense de moi? What did he that created me think of me? Qu'est-ce que celui qui s'est sacrifié sur la croix pense de moi? What is he that sacrificed his soul for me, thinks for me, his life for me, is thinking of me? Ma frère, ma soeur, qu'est-ce que Jésus pense de toi? My brothers and sisters, what is Jesus Christ thinking of you? Qu'est-ce que ton frère te pense de moi? Because you need to ask yourself this question right now. Tu dois te repentir. You need to repent. Pour ne pas être surpris après la mort. So you don't be surprised after death. Parce que après la mort, il n'y a plus de retour en arrière. Because after death, there is no turning back. Quand t'as déjà enterré, c'est fini. When the burial is finished. Quand t'as enterré, c'est fini. When the burial is finished. On n'entend plus parler de toi. There will no longer hear spoken of you. Tu deviens comme l'herbe qui a fané. You become like a flower that's withered. Tu deviens comme l'herbe qui a fané. You become like grass that has withered. Ne prends pas le risque d'attendre ce que Dieu pense de toi après la mort. You do not take the risk of throwing aside what God is thinking of your father. Ne prends pas ce risque, il faut le savoir maintenant. You need to know it now, don't take that risk. Ce n'est pas ton opinion qui compte. It's not only a friend that counts. Ce n'est pas ton opinion qui compte. It is not your opinion that counts. C'est l'opinion du Seigneur Jésus qui compte. It is the opinion of the Lord Jesus Christ that counts. Parce que tu ne vas pas entrer dans un royaume que tu as créé. Because you will not enter a kingdom you created. So we enter a kingdom that Jesus Christ created. He created for you to rejoice in it. And for you to enter into it, you need to obey certain rules. You don't just enter like that into the kingdom of God. You don't just enter like that into the kingdom of God. Jesus is going to montrer l'exemple. Jesus Christ came to show you the example. He himself walked very rightly in this world. If he did not live a righteous life, you could blaspheme his name. You could ask yourself that can Jesus Christ support what we are supporting? Jesus Christ supported it. Even out of heart that he did not commit anything. Oui, tu vas dire que non, c'est Jésus. Je vais dire non, c'est Jésus.
Jesus. Ah oui, peut-être tu as raison. Maybe you have a reason. Tu es aussi ça, ignorant comme lui. Il voudrait que tu t'approches à lui pour que tu puisses agir comme lui. I did not be ignorant that he wants you to approach to him so that he will make you to feel like him. Pour que tu puisses réagir comme lui. So that you will live like him. Enfin, ma soeur, abandonne le péché. My brothers and sisters, abandon sin. Abandonne le péché. Abandon sin. Abandonne le péché. Abandon sin. Jésus t'aime. Jesus Christ loves you. Mais tu es chrétien, mais il y a des choses dans ta vie que Jésus n'aime pas. You are a Christian, but there are things in your life that Jesus Christ does not love. Il y a des choses que tu fais que Jésus n'est pas d'accord avec toi. There are things you are doing that Jesus Christ is not okay with you. Et si tu es véritablement chrétien, je te prie de changer. And if you are really Christian, you need to change. Si tu es véritablement chrétien, je te prie de changer. If you are really a Christian, you need to change. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Yes, my brother, my sister, Jesus Christ loves you. Tu aimes les pécheurs que tu aimes, mais il n'aime pas le péché. Jesus Christ loves you, but he doesn't love the sinful of the enemy. Il n'a pas jugé la femme prostituée, mais il a demandé à ce qu'elle aille et qu'elle ne pêche plus. He did not condemn the prostitute, but he told the prostitute, go and not sin again. Après cette date, la prostituée s'est repentie. And after that, the prostitute repented. Elle s'est repentie, elle a changé de vie. After repentance, she changed her way of life. C'est ça, bien de ça, elle les a jetés. All of her indecent life, she threw it away. Tout ce qui est comme mauvais en elle, elle a jeté. All of that which was evil in her, she threw it away. Elle a abandonné. She abandoned it. Elle a commencé à servir Dieu en esprit et en vérité. She began serving God in spirit and in truth. La femme prostituée n'est pas la seule prostituée. The woman prostitute did not remain a prostitute. Mais elle a changé de vie. But she changed her life. C'est ce que Dieu veut pour toi. That is what God wants for you. C'est ce que Dieu veut pour toi. That is what God wants for you. C'est vrai, tu es pécheur, mais il faut que tu changes. It is true, you are a sinner, but he wants you to change. Jésus veut que tu changes. Jesus Christ wants you to change. Jésus t'attend. Jesus Christ is waiting for you. Jésus t'appelle. Jesus Christ is calling for you. Jésus t'attend. Jesus Christ is calling for you. Jésus t'appelle. Jesus Christ is calling for you. Viens, Jésus. Come to Jesus. Nous t'attendons, viens, Jésus. Come to Jesus. Oh. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Gloire à Jésus. Glory to God. 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 Honneur à Jésus. Honor to God. Gloire à Jésus. With greatness to Jesus. Majesté à Jésus. Majesté to Jesus. L'élévation à Jésus. Appellement to Jesus. L'adoration à Jésus. Adoration to Jesus. La magnificence à Jésus. Magnificence to Jesus. La magnificence à Jésus. Magnificence to Jesus. Le règne à Jésus. Glory to Jesus. La gloire à Jésus. Glory to Jesus. La gloire à Jésus. Glory to Jesus. La louange à Jésus. Glory to Jesus. La louange à Jésus. Yes to Jesus. Le roi des rois. The King of Kings. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. L'agneau immolé pour nos péchés. The Lamb that was slain for our sins. Le lion de la tribu de Juda. The Lion of the tribe of Judah. L'étoile brillante du matin. Bright and morning star. Le Dieu des Dieux. The Lord of Lords. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. Il est unique. He is unique. Il est le seul. He is the only one. Il est le véritable. He is the one and only. Celui qui était. He that was. Celui qui est. He that is. Celui qui tient. He that is to come. Celui qui règne. He that reigns. De génération en génération. From generation to generation. Dans l'éternité. In eternity. Dans l'infini. From the infinite. À plus l'infini. And to the infinite. Il règne. He reigns. Jésus règne. Jesus Christ reigns. Jésus règne. Jesus Christ reigns. D'éternité en éternité. From eternity to eternity. Jésus règne. Jesus Christ reigns. Jésus règne. Jesus Christ reigns. Jésus règne. Jésus Christ reigns. Jésus agit. Jésus Christ agit. Jésus soutient. Jésus Christ aide. Jésus délivre. Jésus Christ sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jesus Christ saves. Jésus sauve. Jesus Christ saves. Le seul ressuscité d'entre les morts. The only resurrection of the dead. Le seul ressuscité d'entre les morts. He is the only one that resurrected from the dead. Le seul en qui nous devons croire. The only one we need to believe in. Le seul en qui nous devons espérer. The only one we need to hope in. Car la véritable preuve a été tue. Because the
véritable preuve a été démontrée. La véritable preuve a été démontrée. The real proof has been demonstrated. C'est de la résurrection. That of resurrection. C'est la preuve en laquelle nous devons espérer en Jésus. It is the proof for us to believe in the Lord Jesus. Parce que c'est le seul qui est mort. Because he's only one that died. Et c'est le seul qui est ressuscité. And resurrected. Il est mort et il est ressuscité pour nous montrer que nous devons espérer en lui. He died and resurrected to show us that we need to hope in him. C'est de lui dont je veux parler. It is of him we want to talk to you. La pitié à la souffrance. The pity to suffering. C'est lui qui a porté nos épreuves. He that carried our yokes. C'est lui qui a porté nos malédictions. He that carried our curses. C'est lui qui s'est fait chair. He that was made flesh. Il s'est humilié d'entre les hommes. He was humbled before men. Il a accepté la souffrance pour toi et moi. He accepted suffering for you and I. Pourquoi ne pas croire en lui? Why will you not believe in him? Pourquoi ne pas croire en Jésus? Why will you not believe in Jesus? Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. C'est à cause de l'amour. It is because of love. Pour Dieu, quand nous venons vous prêcher. Of God that we come to you. C'est parce qu'il a demandé à ce que la vérité ne soit pas captive. It is because he has asked that the truth should not be closed. Que nous venons vous annoncer Jésus-Christ mort, le mort pour nos péchés et ressuscité contre la mort. That we come to preach to you the Lord Jesus Christ, died for our sins and resurrected from the dead. C'est lui qui donne la vie. It is he that gives life. C'est lui. Qui a la capacité de pardonner nos péchés? He that has the power to forgive our sins. Le seul maître, le seul lien entre Dieu et l'homme. The only link between God and man. Marie n'existe plus. Mary does not exist. Mais Jésus existe et vit éternellement. But Jesus Christ exists and is lived eternally. Je vais vous prendre l'exemple de cet homme né aveugle. We will take you an example of him that died. That was born blind. Il était assis et il suivait comment une foule passait. He was seated and he heard the way someone was passing by. Il a crié à haute voix. He cried with a loud voice. Mais les gens l'empêchaient de crier. The people were stopping him from shouting. Mais lui, il a pensé. Il a crié, fils de David. Then he shouted and he cried, hey, son of David. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. He cried, son of David, have mercy on me. Parce qu'il savait que seul Jésus sauve. Because he knew only Jesus Christ can save. Parce qu'il savait que seul Jésus est capable de lui donner la vie. Because he knows that only the Lord Jesus Christ can give him life. C'est possible pour celui qui croit. Everything is possible for you that believe. Et rien n'est impossible à Dieu. And nothing is impossible before God. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. My brothers and sisters, repent. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. My brothers and sisters, repent. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. My brothers and sisters, repent. Je parle à quelqu'un ce soir. We are talking to someone this evening. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Repent. Tu penses être trop jeune. You think you are too young. Tu penses être trop pauvre que tu vas atteindre la richesse pour servir Dieu. You think you are too poor. You will become rich before you suffer. Mais laissez-moi vous dire. Mais on ne sait pas quand ça vient. Even then, we don't know when it comes. Toi également, j'irai. Toi également, tu y vas. Even you yourself will go. Mais crois en Jésus. But believe in the Lord Jesus Christ. C'est Jésus Christ. Only the Lord Jesus Christ. Vive pour Jésus Christ. Live for Jesus Christ. Live for Jesus Christ. Ça fait pleurer mon frère, ma soeur. It makes people to weep. Avoir un Dieu éternel. To see an everlasting God. Un père qui nous aime. A father that loves us. Qui accepte de s'humilier devant les gens de rien. That accepts to humble himself before people. Qui accepte d'être insulté à cause de toi et moi. That accepts to be insulted because of you and I. Qui accepte même la mort et peut-être pouvait commander des anges pour le sauver. To accept even bread of which he could command angels to come. Il ne l'a pas fait. He did not do that. Il ne l'a pas fait. He did not do that. Il ne nous a pas frappé. He did not judge us. Il ne nous a pas jugé. He did not judge us. Il ne nous a pas rejeté. He did not reject us. Au contraire. On the contrary. Il a tout accepté. He accepted
all things. Il a dit que je le fais pour mes enfants. He said, I will do it for my children. Il a dit que je le fais pour mes enfants. He said, I will do it for my children. Pour qu'ils soient sauvés. For them to be saved. Pour qu'ils règnent. For them to reign. Là où je règne. Where he will reign. Pour qu'ils vivent également éternellement. So that you will live also eternally. Pour qu'ils soient en joie. For you to be in joy. Oui. Yes. Car au paradis, il y a la joie. Because in heaven there is joy. Au paradis, il n'y a pas de pleurs. In heaven there is no crying. Au paradis, on ne sort pas. And in heaven they don't say. Au paradis, on ne souffre guère. In paradise, they don't suffer war. Oui. C'est ça le paradis. That is heaven. Le paradis n'est pas sous terre. Heaven is not there, man. Les plaisirs du monde ne reflètent pas le paradis. The pleasures of this world are not reflect the paradise. Ne reflète pas le paradis. The snacks and powers does not reflect heaven. Si vous voyez un ange dans le snack de pain, vous allez croire que c'est un ange. If you see an angel in a snack or in a bar, will you believe that it's an angel? Le snack ne reflète pas le paradis. Snack does not reflect paradise. Tout en croire, on vous allez toujours croire à vos émotions. Tous ces désirs charnels, tous ces plaisirs du monde, ça ne reflète pas le paradis. Whatsoever you think that will bring pleasure to the flesh, God is holy. God is holy. God is holy. God is holy. God is true, very holy. Ce qu'il respire, c'est la sainteté. What he preaches in his holiness. Ce qu'il recherche en l'homme, c'est la pureté. What he seeks from man is purity. Ce qu'il recherche en l'homme, c'est l'amour. What he seeks from man is love. Oui. Yes. Le cœur. The heart. Le cœur. The heart. Le cœur. The heart. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? What is in our heart? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? What is in our heart? Jésus nous aime. Jesus has loved us. Jésus nous aime. Jesus has loved us. Jésus nous aime. Jesus has loved us. Jésus revient. Jesus has is coming back. 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 Jésus nous aime. Jesus has loved us. Jésus t'aime. Jesus has loved you. Il n'aime pas ton péché. He does not love your sin. Il n'aime pas ton péché. He does not love your sin. Oui. Yes. Admettons. Accept it. Oui, que tu es pauvre. That you are poor. Et que tu voudrais être riche pour servir le Seigneur. And that you want to be rich before you serve God. Penses-tu que l'argent va plaire à Dieu? Do you think money will be pleasing before God? Penses-tu offrir quelque chose de meilleur à Dieu? Do you think you can offer something better to God? Non. No. Ce que Dieu veut. What God wants. C'est notre cœur. It's our heart. Ce n'est pas l'argent que tu cherches. It is not money you are seeking for. Car la parole déclare. Because the word of God declares. Non, mais l'argent appartient à l'Éternel. Call as if it belongs to God. Alors ce que tu es, c'est pour l'Éternel. So whatsoever you are having is for the Almighty. Et ce que tu as, c'est pour l'Éternel. And whatsoever you are is for the Almighty. Oui, rien ne t'appartient sur cette terre. Yes, nothing belongs to you in this world. Nous utilisons ce que Dieu a mis à notre disposition. We are just using what God has put in our for us. Le souffle de vie que tu as, c'est pour l'Éternel. The breath of life you have is for the Lord. The proof is that when he does no longer need you here on earth, he takes it away. Yes, that respiration, he takes it when he wants. The money you have, today you may be rich, tomorrow you are poor. Parce que c'est Dieu qui décide de ce qu'il veut faire. Because only God decides what he wants to do. And he has no account to give to anyone. Jésus n'a de compte à rendre à personne. Jesus Christ has no account to give to anyone. Il te rend pauvre, il t'a rendu pauvre. He has made you poor, he has made you poor. Il t'a rendu riche, il t'a rendu riche. If he has made you rich, he has made you rich. Mais en tout, en fait toutes choses pour sa gloire. And in everything we need to do all for his glory. Oui, parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Because whatsoever we have is for God. Rien ne nous appartient. Nothing belongs to us. Amen, on laisse tout. We die and we allow all. Mais l'amour de Dieu. But the love of God. Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu.
de Dieu, ni la mort, ni les anges, not even angels, ni les souffrances, not even ni les malheurs, not even, ni la joie, not even joy, ni quoi que ce soit, not whatsoever ni les principautés, not even principalities, je ne sais pas encore de l'amour de Dieu, that separate us from the love of God. À quiconque croit en Dieu, so because whosoever believes in God, we have a balanced life. Mais quiconque ne croit pas en Dieu, does not believe in God, est déjà condamné. He's already condemned. Yes, yes. Le pécheur, c'est celui-là qui ne croit pas en Dieu. The sinner is he that does not believe in God. Et si toi tu ne crois pas en Dieu, sache que tu es déjà condamné. And if you don't believe in God, know that you are already condemned. Mais la parole déclare que ce que Dieu veut. The word of God declares that what God wants. Ce n'est pas que le pécheur meure. It's not for the sinner to die. Mais que le pécheur ait la vie éternelle. But that the sinner is uniform and have everlasting life. Alors ça veut dire quoi? What does it mean, you pagan? Encore la possibilité de te repentir. You still have a possibility to revive. Tu as encore la possibilité de te repentir. My brother, you still have a possibility to repent. Le ciel est ouvert. The heavens is open. Accepte ton pardon. To accept, to give you forgiveness. Le ciel est ouvert. The heaven is open. Pour accepter ton pardon comme une offrande pure, comme un sacrifice vivant pour l'Éternel. To accept you as a living sacrifice for your God. Le ciel est ouvert. Heaven is open. Jésus Christ. Jesus N'en vis pas ton prochain. Do not envy your neighbor. Tout le monde donne la vie. Dieu donne la grâce à qui il veut. God gives grace to whosoever he wants. Mais lorsque nous avons la vie, when we have life, nous craignons l'Éternel. We need to fear God. C'est bon Dieu. We need to serve God. Le seul qui peut nous sauver. The only one that can save us. Le seul qui nous aime. The only one that loves us. Le seul qui nous protège. The only one that can protect us. He has watched over us at every level. He knows that you need what to eat. Il t'accorde un repas. He will give you food. Il sait que tu as besoin de la santé. He knows that you need health. Il t'accorde la santé. He gives you health. Il sait que tu as besoin du salut de la vie éternelle. He knows that you need salvation and eternal life. Et bien, and he comes. Il frappe à ton cœur. He comes and knocks at the door of your heart. Il t'appelle par ton nom. He calls you by your name. Mais ce qu'il désire, what he desires, c'est que tu ressens pour le même amour. It's for you to feel the same love he has for you. No father can do that for his child. No father can do that for a child. But Jesus. The eternal life. The almighty God. He has lost us. He has stronger. He has accomplished all of the cross of heaven. Jesus has accomplished all of the cross of heaven. Jesus Christ accomplished all our jobs. He gave us life. Oh my brother, receive eternal life. Yes, you have been tired to obey in the gospel. Parce que le jour que tu vas mourir, I know that the day you die, je comprends cet évangile ne serait-ce que une parole pour être sauvé. You will need this gospel just what you want to be saved. La parole déclare. The word of God declares. C'est la parole qui sanctifie. That it is the word of God that purifies. La parole dont on parle, c'est Jésus. The words that we talk on is the Lord Jesus Christ. It is not by might. It is not by power. It is by the Spirit of God. It is by the Spirit of God that you do everything for His name and for His glory. Repent. Repent. There is so much time. There is so much time. We don't know when we are going to die. But Jesus Christ has given us that grace. Je nous protège. God
God sent us to protect us. Look what is about us. L'évangile n'est pas ce que nous parlons. The gospel is not what we say. L'évangile se vit. Life is by Elisha. L'évangile se vit. Gospel is to live it. Toi qui as cru en Jésus. You that believe in the Lord Jesus Christ. Est-ce que tu vis l'évangile? Are you living the gospel? Est-ce que tu vis cet évangile? Are you living the gospel? La parole, ce n'est pas pour la garder. The word is not for you to keep. La parole, ce n'est pas pour la garder. The word of God is not for you to just keep. La parole, c'est pour la vie. The word of God is to put it into practice. La parole, c'est pour marcher avec elle. The word of God is to walk according to it. On parle de Jésus Christ. We talk of the Lord Jesus Christ. On vit avec Jésus comme un père. We live with Jesus Christ as a father. On vit avec Jésus comme un ami. We live with Jesus Christ as a friend. Le seul avec qui nous pouvons tout raconter. The only one we can tell him everything. Amen. Amen. Crois en Dieu. Believe in God. Connais Dieu. Dieu God. Demain vient. Tomorrow is coming. Où il viendra un temps. A time is coming. Où toute chose s'arrêtera. Where everything will stop. Où toute chose s'arrêtera. When everything will come to an end. That time is coming. And it is very close. Il s'accomplira. It is going to be accomplished. Because the Almighty God has declared it. Yes. Il a déclaré. The Almighty God has declared it. Tu reviendras. That he will come back. Et la rédemption sera derrière lui. And everyone will be there. Pour mettre chacun selon ses œuvres. To keep everyone according si to. Si tu as fait du mal, tu recevras le mal. If you have been living in evil, you will have a evil. Si tu as tué par l'épée, tu mourras par l'épée. If you have been killed by the sword, you will die by the sword. Mais si tu as servi Dieu. But if you have served God, tu auras le bonheur. You will have peace. Si tu as passé ton temps avec Dieu. If you have spent your time with God, tu seras sauvé. You will be saved. Yes. Cette chose est certaine. That thing is very certain. Et elle arrive. And it is coming. Elle s'accomplira. It will be accomplished. La gloire de Jésus. For the glory of Jesus. Car lorsqu'il dit. Because when he says. La chose est accomplie. The things will be accomplished. Yes. Il n'a jamais menti. He has never lied. Il n'est pas un homme pour mentir. He is not a man to lie. Il n'est ni un fils de l'homme pour se repentir. He is not a son of man to repent. Mais ce qu'il a dit. But what he has said. S'accomplira. Will be accomplished. Dans le veille ou non. Whether we want it or not. Jésus est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Jésus est Dieu. Jesus Christ is Lord. Quand tu le fais, tu mens. Whether we want it or not. Jésus règne. Jesus Christ reigns. Ce que tu fais ne rentre pas sa gloire. Whatever you do will not actually go. Sa gloire reste intacte. Because his glory remains. Même après les générations humaines. Even after generations. Oui, mon frère, ma soeur. Yes, my brothers and sisters. Nous sommes là pour te prêcher la repentance. We are here to preach to you repentance. Nous sommes là pour te prêcher la repentance. We are here to preach to you repentance. Nous sommes là pour te dire de revenir à ton premier amour. We are here to tell you come back to your first love. Celui qui t'a engendré. He that has given birth to you. Celui qui t'a donné la vie. He that has given you life. Celui qui t'a formé un corps. He that gave you a body. Pour que tu sois lumière du monde. So that you should be the light of the world. Le Seigneur nous a engendré pour que nous soyons des lumières. The Lord made us for us to be light. Des lumières dans ce monde ténébreux. Light in this dark world. C'est pour ça qu'il nous a engendré. That is why he made us. Mais il est déçu. He is disappointed. Parce qu'il voit le péché. Because he sees sin. Le péché parle fortement contre nous. Sin is talking very loud against us. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? But what do you need to do? Il faut demander pardon. You need to ask for forgiveness. Il faut demander pardon. You need to ask for forgiveness. On ne demande pas pardon et on repart dans les péchés. You don't ask for forgiveness and you go back to sin. On demande pardon et on abandonne le péché. We ask for forgiveness and we abandon sin. Ne demande pas pardon parce qu'on veut une chose. We don't ask for forgiveness because we need one. On ne prie pas parce qu'on veut l'examen. We don't pray because we need an examination. On ne prie pas parce qu'on veut un emploi. We don't pray because we need a job. On ne prie pas parce qu'on veut quelque chose terrestre. We don't pray because we need material things. On prie premièrement. We pray first. Pour avoir la vie. To have a balanced life. Ce qui plaît à Dieu. That which is pleasing before God. Ce qui entre dans la volonté de Dieu. You should enter in the will of God. That is the reason for which you need to pray. Le diable s'est levé. The devil has called the reason of. Dès le commencement, le diable s'est levé.
avez. From the beginning, the devil has used you. Il a haï l'homme dès le commencement. He hated that man from the beginning. Et ce n'est pas la fin qu'il t'aimera, mon frère. It is not at the end that he is going to love you. Ce n'est pas la fin que le diable t'aimera. It is not at the end that the devil is going to love you. Le diable ne t'aime pas. The devil does not love you. Si tu ne règnes pas avec Jésus maintenant, c'est pas demain que tu règneras avec Jésus. Sois assuré. If you don't reign with Jesus today, it is not tomorrow that you will reign with him. Si tu ne crois pas en Dieu maintenant, c'est pas demain que tu croiras en Dieu. If you don't believe in God today, it is not tomorrow that you will believe in God. Si tu règnes Dieu maintenant, demain tu règneras. If you reject God today, tomorrow you will reject him. La nature nous enseigne. Nature teaches us. La nature nous enseigne. Nature teaches us. La nature nous enseigne. Nature teaches us. Dieu est grand. God is great. Je ne sais pas comment vous expliquer la grandeur de Dieu. We don't know how to explain to you the greatness of God. Je ne sais pas comment vous expliquer l'amour de Dieu. We don't know how to explain to you the love of God. La preuve en est. The proof is that. Le soleil se lève même sur les méchants. That the sun rises even on the wicked. Comme sur les bonnes personnes. Even as to the good person. Dieu fait prospérer les affaires des méchants et fait prospérer les affaires des pauvres, des faibles. God makes the business of the poor, of the wicked to prosper. De l'amour de Dieu. That is the proof of the love of God. Quand il pleut, il ne pleut pas seulement sur les bonnes personnes. When there is rain, it is not only for the good people. Mais il pleut également chez les mauvais. It is also raining for the evil people. Dieu ne fait exception de personne. God does not make exception for anyone. Son amour ne fait exception de personne. His love does not make exception of anyone. Son amour ne fait exception de personne. His love does not exempt anyone. Dieu aime le méchant. Jesus Christ loves even the wicked. Dieu aime le méchant. God loves the wicked. Dieu aime le sorcier. God loves the witch. Dieu aime la prostituée. God loves the prostitute. Dieu aime le voleur. God loves the thief. Mais il n'aime pas son péché. But he does not love his sin. Il n'aime pas l'adultère. He does not love adultery. Il n'aime pas la fidélité. He does not love infidelity. Il n'aime pas le mensonge. He does not love lies telling. Il n'aime pas la masturbation. He does not love masturbation. Il n'aime pas le vol. He does not love He's the one that gives us all of what we have. C'est lui qui nous protège. He's the one that protects us. Ne refuse pas la main tendue de Dieu. Don't reject the hand of God. Si tu refuses la main tendue de Dieu, demain tu seras tout seul. If you reject the hand of God, tomorrow you will be alone. Ça sera en enfer. And you will be in the hell. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants soient en enfer. But God does not want his children to go to hell. Dieu veut que le péché vive. God wants the sinner to live. Dieu veut que le péché ait la vie. God wants the sinner to have life. Dieu veut que le péché reçoive également le bonheur. God wants also the sinner to receive joy. Ceux qui font la sorcellerie ne sont pas heureux. Those that are into witchcraft, they are not happy. Ceux qui sont dans le péché ne sont pas heureux. Those that are into sin, they are not happy. Parce qu'ils n'ont pas encore accédé à leur liberté. Because they have not had access to liberty. Et c'est seul Jésus qui donne cette liberté. Only the Lord Jesus Christ can give liberty. Seul Jésus donne la liberté. Only Jesus Christ gives liberty. Et cette liberté, même le démon ne peut pas la prendre. Parce que quand Dieu ouvre une porte, because when God opens the door, personne ne peut la refermer. Nobody can shut it. Quand Dieu ferme une porte, when God shut any door, personne ne peut l'ouvrir. Nobody can open it. C'est ça que le Fils de David peut faire. That is what the Lord Jesus Christ can do. C'est ça que le rejetant peut faire. That is what the Lord Jesus Christ can do. C'est ça qu'il peut faire. He that is coming, that is what he can do. C'est ça qu'il peut faire. He that reigns, that is what he can do. Yes. La beauté, la gloire, la magnificence, la majesté, tout ce qui est excellent, No other God can be compared with the Lord Jesus. Aucun Dieu. No God. Jésus est seul.
Jesus Christ is wrong. Jesus Christ is wrong. Jesus Christ is wrong. Jesus Christ is alive. We don't believe in the church. We don't believe in the church. On croit à un vivant. We believe in the living. On espère à un vivant. We hope in the living. Et c'est Saint Jésus qui a ressuscité d'entre les morts. That resurrected from the dead. C'est Jésus qui a ressuscité. Only Jesus Christ resurrected. C'est moi qui ai encore ressuscité. Tell me who else resurrected. Marie est morte, elle a ressuscité. Parce que Dieu nous aide. Because God loves us. Chaque un peuple saint. God wants a holy people. Car il nous a fait sortir de l'Égypte pour nous soyons un peuple saint. Because he brought us out of Egypt for us to be holy people. À son image. In his image. Yes. Nous devons être à l'image de Dieu. We need to be in the image of God. Parce que dès le commencement. Because from the beginning. Il a toujours voulu que nous soyons à son image et que nous gardions cette gloire à nous. He has always wanted us to be in his image and we should keep his name. Le péché ne vient pas de Dieu. Sin is not of God. Le mal ne vient pas de Dieu. Evil is not of God. Le péché vient du diable. Sin is of the devil. Le péché vient du diable. Sin is of the devil. Repent-toi mon frère. Repent my brother. Repent-toi ma soeur. Repent my sister. Repentez-vous. La sanctification n'est pas seulement dans le cœur. Sanctification is only of the heart. Mais la sanctification est également sur le corps. And sanctification is also of the body. Qu'est-ce que tu mets sur toi? What are you putting on you? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? What are you doing with your body? Où vas-tu? Where are you going? Où poses-tu les pieds? Where are you placing your legs? Soyons saints car notre Dieu est saint. We need to be holy because our God is holy. La manière dont tu te vêtis, the way you dress, ça prouve également comment ton cœur est. It proves the way your heart is. Si tu aimes Dieu, tu vas vouloir vivre pour Dieu. Tu vas vouloir être à l'image de Dieu. Tu vas vouloir refléter sa sainteté. La première manière, si tu vois un ange avec le matelot, you cannot see an angel with a que vas-tu faire? What will you say? Que vas-tu dire? What will you do? Un ange avec le matelot. An angel with short sword. En train de se placer comme ça. Standing like that. Mon ami, je t'ouvre la porte du ciel. That my brother opens to you the door of heaven. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Ma soeur. My sister. J'ai tué ton attention. You have drawn your attention. Car à cause de toi. Because of you. Les hommes pêchent. Pray that silly. Oui. Yes. Peut-être tu ne le sais pas. Maybe you do not know that. Because of you. Because of your way of blessing. Many people are not seen after you. They go to masturbate. Because of you. And their judgment is falling upon your head. You are going to ask yourself, what have I done? How have I done it? Now allow us to tell you. The way you that you are the way you are beating yourself. Ça fait qu'on va te l'homme. It makes men to lost. Et pêche contre son Dieu. And they are sending the sin in the face of God. Il devient infidèle à sa femme. Because at that time they are unfaithful to their wife. L'infidélité n'est pas seulement dehors. Infidelity is only album. L'adultère c'est le fait de regarder et de contacter une autre femme. Adultery is to look and lust after a woman. Ma sœur. Tu n'es pas obligé de montrer tes cuisses, on peut se dire. You are not forced to show your. La parole déclare. The word of God declares. Qu'une femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. That a virtuous woman is more important than even jewels. La parole déclare. The word of God declares. Que c'est celle qui fait la volonté de Dieu qui sera louée. It is God one that does the will of God. Et la toi qui expose ton corps comme une marchandise. And not you that expose your body like that. It is that one that does the will of God that will be accepted. Just a bien
plus de valeur que la perle. Every righteous woman has value more than even gold and silver. Tu vas séduire, non? You want to seduce them. C'est lui qui te donne la vie. He that gives you life. Quand tu dis que c'est ton mari, c'est ton mari. When God says it is your husband, it's your husband. Et même il te donne ton homme. I wait for God to give you your own man. Ne regarde pas dehors. Don't look outside. Yes. Ne vends pas ton corps pour de l'argent. Don't sell your body for money. Ne cours pas après un homme pour de l'argent. Don't run after a man for money. Sans son argent, tu ne peux pas l'aimer. So you think because of without money you cannot love him. Repent-toi, ma soeur. Repent. Serve Dieu. Serve God. Avec ton corps. With your body. Que ton corps soit un sacrifice vivant pour l'Éternel, comme la parole le déclare. Let your body be an acceptable sacrifice for God. Yes. Que ton corps soit un sacrifice vivant. Let your body be an acceptable sacrifice. Que ton corps soit une offrande. May your body be an offering. Yes. Dieu aime ça. God loves that. Dieu aime ça. God loves that. Jésus aime ça. Jesus Christ loves that. Il voit une belle femme. He sees a beautiful woman. Se vêtit correctement et bien. That dresses very well. Qui couvre ses parties intimes. That covers her nakedness. Ça c'est une bonne femme. That is a good woman. On ne fait pas dans le royaume de Dieu. The kingdom of God does not mean matelot. Those that are in matelot. Oui, elle va séduire l'homme. Yes, they want to seduce men. Et ce sont les hommes des gens qu'elle séduit. And they are people's husbands. Ça c'est le péché. That is sin. Elle le fait sans s'en rendre compte. She does that without being careful. Ça c'est le péché. That is sin. Ma sœur, réponds-moi. My sister, repent. Ma sœur, ouvre ta poitrine. My sister, cover your chest. Ma sœur, ouvre. My sister, cover. Couvre tout. Cover everything. L'homme qui t'aime tiendra toi, même dans le tabac. The love, the man that loves you will come to you. Même dans le tabac. That man that loves you will come to you. Then nobody deceive you. L'homme qui t'aime, il viendra toi. The man that loves you will come. Celui dont Jésus a dit c'est lui, ça sera lui. The one that the Lord Jesus Christ said it is the one is true. Avant le temps. Let God expose things before time. Tu présentes toi au commencement, à la fin tu vas montrer quoi. And from the beginning you are exposing your nakedness, at the end what will you present? Cache tes formes pour toi. Hide your forms for yourself. Cache tes formes pour toi. Hide your forms for yourself. Je vois les filles ne mettent plus les sous-vêtements. Yes, you don't like that. Put your arms. Elles portent les collants comme ça. They wear collants. Elles portent les collants comme ça. They wear collants. Elles n'ont pas honte de marcher un rouge sans sous-vêtements. They don't know. Elles se disent je belle chic propre. Canon. Sans sous-vêtements. We got underwear. Oh, parlement. Where is the world going to? Et l'homme pervers va accepter ça. And the pervers man will accept that. Elle va dire je t'aime. The pervers man will say I love you. Ça c'est la folie. That is madness. Ça c'est la folie. That is madness. Une fille qui ne porte pas sous-vêtements. A woman that doesn't wear the underwear. Et quand même elle porte sous-vêtements, c'est trois codes. And when she wears. Qu'est-ce que ça signifie? What is the meaning of that? Qu'est-ce que ça signifie? What is the meaning of that? Quelle est la valeur? What is the value? Quelle est la dignité? What is the dignity? Où est la femme? Where is the woman? Où est la dignité de la femme? Where is the dignity of the woman? Elle aime bien marcher pour lui. Yes, you want to work like elle veut séduire, chercher son homme, oui. You want to seduce and look for men. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu cette manière de faire? Is that the will of God? Tu vas porter des sous-vêtements. Are you not to wear underwear? Ça t'amène des maris de nous. It brings you spiritual husbands. Oui, le monde spirituel court. Yes, the spiritual world is very fast. Lorsqu'on voit la faille, on vient. When they see a living for the God. Mais j'ai marqué de lui, toi qui me te sens qu'à le sol là. He is being spiritual husband, you that will be down underwear. Les trois cordes ne sont pas les sous-vêtements. Ne bouge pas sur cette pratique. Repent from that evil practice. Pour cette manière de te vêtir. Tu te vêtis comme une prostituée. You dress like a prostitute. Quelle est la différence entre toi et la prostituée? What is the difference between you and prostitute? Tu es chrétienne. Tu mets les pratiques mondaines. You that say you are Christian and you are practicing godliness. Quelle est la différence? What is the difference? La païenne met la mini-jupe. Toi chrétien qui sert Dieu et tu dis que tu sers un Dieu vivant. Tu portes aussi mini-jupe, tu marches en route. The pagans wear short skirt. You that say you are Christian, you still wear short skirt and you are walking everywhere. Jésus t'aime. Jesus Christ loves you. Jésus t'aime. Jesus Christ loves you. Jésus t'aime. Jesus Christ loves you. Toi homme ne pousse pas ta femme à être comme un miroir. Don't push your wife to be like a mirror. Je dis comme un miroir, c'est toujours
only to reflect the habits of others. Repentez-vous. Repent. Repentez-vous. Repent. Repentez-vous. Repent. N'imite pas les autres. Don't imitate people. N'imite pas tes hommes, tes autres hommes. Don't imitate other people. N'imite pas les autres hommes. Don't imitate other people. Si ta femme aime le cabas, laisse-la dans son cabas. If your wife loves wearing a long gown, allow her to wear a long gown. Et si ta femme aime les mini jupes, ne les pas porter 5 minutes. If your wife loves short skirts, tell her not to wear short skirts. Mais qu'elle craigne l'éternel. Mais qu'elle s'habille décemment. Mais qu'elle s'habille comme une femme vertueuse. Elle n'est pas une prostituée. Elle n'est pas une prostituée. Elle n'est pas une prostituée. Elle n'est pas ta femme de porter le matelot. Elle n'est pas une prostituée. Elle n'est pas une prostituée. Elle n'est pas ta femme de serrer les seins entre les femmes. Elle n'est pas une prostituée. Elle n'est pas une prostituée. Because the way you wear your chest, your chest is open. Le derrière est ouvert. Your behind is open. Est-ce que ça c'est habiller? And is that the dress? On a déjà vu. That they have already seen everything. Habillez-vous. Dress up. Habillez-vous. Dress up. Habillez-vous. Dress up. Portez les sous-vêtements les filles. Well, well, underwear. Je ne parle pas des trois cordes. We don't talk of. Portez les sous-vêtements. Well, underwear. Portez les sous-vêtements. Well, underwear. Soyez des femmes vertueuses. Des femmes de qualité. Woman of quality. Des femmes que l'enfant aimerait faire comme elles. Women that will be good examples. Des femmes qui connaissent, qui craignent et qui connaissent faire le plan de Dieu. Women that fear God and do the will of God. Et même si tu ne connais pas faire les choses de Dieu. And even if you don't know to do the will of God. L'esprit de Dieu t'aidera. The spirit of God will help you. Parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Because he's the one that directs all things. La parole de l'homme c'est lui qui dirige. The body of man is the one who is the one. The proof is that. Est-ce que je me suis réveillé parce que je veux? Il a juste appuyé le bouton de la vie. He just pressed the button of life. Pour nous donner la vie. To keep us alive. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Ne rejette pas cet évangile de repentance. Don't reject this gospel of repentance. Cet évangile de repentance. Listen to the gospel of repentance.